Tu veux? Je vous laisse vous présenter, les reufs. Je sais que personne ne vous connaît, je sais même pas qui vous êtes moi-même. Vas-y, on commence par Honneur à mec-mec. l'ancien Henrik. Allez, Henrik, l'ancien, on te Ancien fait aller. Henrik Qu'est-ce qu'il est 21, vieux. l'homme aux mille théories. Henrik et quelle fraude. Chiki est-il canon? Spoiler le monde un mardi. Suivez ma chaîne, spoiler. Et voilà, hein. Ici on est des grands fans de Shanks, Mihawk, la fraude. On prépare quelques pages sur ce personnage. Et je suis en train d'essayer de dessiner un petit one shot de 10 pages sur ce sacré pirate qui est Mihawk, qui est très content d'être avec les frérots. Hein. Mec, j'ai jamais lavé avec lui. Sony, on a fait déjà quelques lives avec le frérot Ryo Sensei, Serial Charge. On a commencé à peu près en même temps, je crois, avec Serial. Non, je crois qu'il était un peu plus ancien, mais très Ouais. content de mon partage. Akagami, le footeur de merde de Twitter. Donc très content d'être là. J'espère qu'il y aura beaucoup d'ambiance, beaucoup de débats. Et merci pour l'invitation, Sony. Hein. Merci à vous d'avoir répondu, les refs. Merci, merci. C'est un plaisir de live avec du monde. En plus, je sais qu'on n'est Ouais, pas ça fait tous longtemps que j'ai d'accord. pas live. Je Donc, crois que ça fait une pige que j'ai pas live. Je crois que je l'ai dit en off, mais ouais, ça fait 1 an que j'ai pas live, donc très content de le faire. magnifique. C'est ça qu'on aime. Mec, ça Bah va? franchement, Sony, ça va et toi, mon frérot? Merci beaucoup pour l'invite. Mais La deuxième normalement. invitation sur ta chaîne, ça fait Mais plaisir. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, comment me présenter rapidement? Bah, fan de One Piece qui live, hein, et de manga en général, mais surtout de One Piece. Grand, grand plaisir d'être là. Il y a du beau monde. Je pense que ça va bien débattre, bien rigoler. Et puis, merci de l'invite, Sony, frérot. Merci à vous d'être venu. Il y a le frérot Saja. Frérot Saja, qui t'es? Ouais, Qui ça... tu es? Dis-moi, frérot. J'ai sûrement chié sur ton Attends, pseudo tu... en plus, je suis désolé. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Tu peux m'appeler Chage. Sage. C'est bon. Ouais. Déjà, merci, hein, de nous avoir invités. Mais de rien, Je moi. t'avoue, je sais pas pourquoi je suis stressé. C'est bizarre, en fait. C'est la première fois que je fais un live ici. Le fait que je suis ici, partout. Bon, bref, voilà, moi, je fais des vidéos... Frérot, il a tenu le mur. Ça va, frérot? Ah, les réflexes de mec du Tchékar. Il a cherché un mur. Incroyable. Je fais des vidéos sur One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, One Punch Man. En fait, je fais tout ce que j'aime. Voilà, tout simplement. Bon, bah, c'est lourd. Que du plaisir. Sur YouTube. Akagami. Ah oui, j'ai oublié de Ah. dire. Bah, Ouais, YouTube, vous YouTube, pouvez je sais. mettre des liens si vous voulez balancer vos liens. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Non, Balancez-les. moi, ça va, j'ai assez de vues, moi, c'est gentil. Toi, tu fumes, je sais, c'est bien. Moi, alhamdoulilah, ça va, c'est gentil. Pour les autres. Bon, désabonnez-vous Je du frérot vois. Henrik, après, Hey, rabonnez-vous. Remets le lien. mec. Akagami! Salut, salut. Bah, merci pour l'invitation, Sony. C'est moi, celui qui a pas la cam, Pépé Shanks. Je pense que les gens me connaissent de Twitter. Hein. Si j'ai pas une sauce par semaine, c'est qu'il y a un problème. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de Donc, sauce sur toi, frérot. c'est vrai que ça fait longtemps parce que je me suis calmé. Je me suis T'es calmé. calmé, Mes t'es habits sont vraiment moins calmé, frauduleux. ouais. Donc ouais, non, ça fait plaisir et on va passer une bonne soirée. Hein. Mais Et t'as percé, bonne t'as été soirée à invité par tous. Netflix. GG, merci Darkzen. Merci pour la fraude. Arrête, Henrik, arrête, arrête, Et t'as pas invité, t'es petit, pas tu t'es invité par Netflix, comme ça t'invites pas les copains. De ouf, c'est un Non, bâtard, je suis choqué. la prochaine fois je vous invite. La prochaine fois je vous invite. Et du coup, c'était comment les bureaux de Netflix? Franchement, je vous dis une dinguerie. C'était trop incroyable. Leurs bureaux, ils sont trop grands. Ils ont des statues en 3D de 2 mètres. Moi, j'étais là, il n'y avait pas personne devant moi. Soit je l'insultais parce qu'il insulte One Piece tous les jours, soit T'avais je me juste une tenais à chiquette. carreau. T'avais juste mis une chiquette. Mais Ouais. en plus devant les gens de Netflix, il a dit: Ah, mais c'est toi qui m'insulte sur Twitter, hein, c'est toi. Mais après, voilà, bon délire. Et voilà, hein, c'était cool. T'as gratté un abonnement ou... Bah franchement, ils m'ont passé un abonnement et ils m'envoient même les séries, les animés en avance. J'ai tout en T'as des avance. goodies? Est-ce que t'as des Comment ça goodies? en avance, wesh? Bah genre ils m'ont passé des codes et j'ai tout en avance. Mais on va te Ah, mêler, toi. stylé. Comment ça en avance? Ouais, C'est incroyable, ça. Tiens, c'est bien, une GG, mes dinguerie. refs. Ça tue, félicitations. Félicitations, mon Merci, frérot. merci. Hey, je vous propose un truc. On va commencer au début en étant sage de fou et tout. On va faire un truc un peu propre. Je viens d'avoir une petite idée. Chacun vos tours, vous allez me raconter comment est-ce que vous avez découvert One Piece. Et après, si ça vous va, on rentre dans le vif du sujet et tous les sujets qui sont cool et les sujets qui piquent, ce que vous voulez. Sans limite. Ça vous va? Avec plaisir. Ouais, Allez, c'est carrément. parti. Méga chaud. On commence par l'ordre Discord. En haut à gauche, mec-mec. Let's go. Alors, One Mec, Piece, mec. moi, ça doit Mec, mec. faire que je dise pas de bêtises. Mec, mec.
Je vais commencer à casser les couilles. En vrai, attends, je suis en train de réfléchir. Ah, ça fait. Putain. J'étais en terminale, j'ai 26 ans, les gars, qui peut faire le calcul vite fait? Ou en première, j'étais en première, j'ai 26 ans. Qui peut faire un calcul vite fait? T'as redoublé combien de fois? 9 ans. Ouais, voilà. C'était, voilà, il y a 9 ans. Il y a 9 ans, j'ai commencé One Piece parce que j'avais plus d'animé à regarder. J'ai fini un peu tout, je me suis dit, bon, allez, un pote à moi, il m'a chauffé. J'ai commencé un animé, toi? Ouais, j'ai commencé un animé. Quand j'ai fini l'animé, on était pendant Dressrosa, quand je me suis mis à jour. Ouais. Et du coup, j'ai enchaîné avec les scans. J'ai commencé les scans, je crois, juste avant le combat contre Duffy. Et depuis, bah, je lis chaque semaine, toutes les semaines, sans en rater une seule. Tu dégustes, si tu kiffes. Onigashima, c'était un peu compliqué, mais sinon, on déguste. Hein. Comment ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Un point amiral pour ça, c'était dur pour lui. Jamais. Je t'insulterai tout à l'heure. Alors, désolé les gars, j'interviens 2 minutes. Le chat, c'est Sebos qui parle. Eh hey, les gars, pas de bêtises, la tête d'homme, ce soir je veux même pas blaguer avec vous. Je vous dis tout de suite. Donc vous respectez les gens qui sont invités. Je rigole même pas, les modos là on va faire du sale, je vous le dis. Ah, il m'a désolé de vous avoir coupé les gars, allez. Ah, il a... non, allez, écoutez-le pas, moi vous pouvez y aller les gars, piraterie. Oh là là, piraterie. Il m'a tué le frérot. Il est arrivé, il a mis un coup de pression, t'as jamais vu ça. Coup de sauce. Du coup mon frérot, Henrich, du coup. Quand est-ce que tu as capté Moi, deuxième. Henrik, moi, j'ai commencé, j'étais en quatrième. Je commençais par les tomes Glénat parce que l'anime n'était pas sorti. Et les tomes Glénat, on était au tome 16, donc c'était aux alentours de 2023. C'était pas un manga que je kiffais de ouf, One Piece en vrai de vrai. J'étais vraiment dans la période Naruto. Je crois qu'on était à l'examen Shonen d'ailleurs en tome. Moi, je lis que les tomes, je suis pas trop animé. Et One Piece, un manga de Shed que j'ai suivi. Et après, là où j'ai eu les révélations, c'est l'arc Marineford et ceux d'avant. Où vraiment je suis rentré dans le délire où c'était quelque chose de sérieux. Une vague de creux sur l'île des hommes-poissons, je crois que j'ai skip un peu, t'as, moi je suis un skipper, tu vois. L'île des hommes-poissons, je ne l'ai pas trop suivi. Et j'ai toujours les spoils. Moi, même quand je suivais pas One Piece, je lisais les spoils. Moi j'ai déjà lu pendant des années One Piece à travers les spoils. Parce que les spoils, ça ne date pas de quand je suis arrivé. Ça date de début d'Internet. Quand Internet est sorti, les premiers trucs que j'ai regardés, c'est les spoils. Au début, on spoilait les tomes. C'était pas les chapitres. Et après, quand l'organisation s'est créée, les scancrades, etc., c'était les chapitres. Il n'y avait pas des indices, etc. Hein. Tu avais directement le résumé complet. Et après, ouais, j'ai lancé ma chaîne YouTube pendant Onigashima. Et au début, c'était sur Hunter x Hunter. Et après, voilà, One Piece faisant des stats, je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose à gagner. Et après. Oh, l'honnêteté. One Piece, ça fait plaisir, ça. La transparence, elle est pure. Ouais. Et depuis, ouais, beaucoup de. One Piece, beaucoup de stats, et aussi, et moi je suis rentré dans le game parce que beaucoup de bêtises racontées. Aujourd'hui, on a beaucoup d'experts, on a beaucoup de débats, on a des clans, machin, truc, mais à l'époque, c'était beaucoup de bêtises racontées, et je me sentais d'une obligation presque divine de venir refoutre mon nez dans ce bordel de merde pour raconter la vérité. Il a une inspiration voilà. Divine, le frérot. Ah, la vérité, comment elle sort de ta bouche, c'est incroyable. Il n'y a pas de filtre, c'est beau. Et non, zéro filtre. Et là, très content. Hein. Très content de la nouvelle communauté. Très content de la nouvelle génération depuis quelques années. Chage, Mec, Sunny, les anciens aussi qui nous ont permis de faire des lives. Hein, Goldie Soul, Léo et Max. Et tout ce beau monde. Jusqu'au refrain du Mont Corvo, jusqu'à Rio et tout. Non, on a une belle commune. C'est cool, ça échange entre soi et tout. Moi, quand je suis arrivé dans le game, personne parlait à personne. Il n'y avait plus de live. Je crois qu'il y avait l'embrouille avec All Blue Channel. On en parlait avec Sunny. Le Buster Call. On a une nouvelle génération. Ouais, le Buster Call. Et là, il y a une nouvelle génération à qui tu peux discuter, tu peux parler, personne ne fait la star, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est vrai. Non, c'est vrai, ça c'est cool. Ça tue. Et du coup, mon frérot, Sarach. Oui, bah en fait, j'hésitais à mentir, mais je sais que c'est pas bien, ça fait que je vais pas le faire, parce que je me souviens pas comment j'ai commencé One Piece, en fait. Vas-y, si tu veux, je commence avec une musique de fond derrière, et tu fais une belle histoire. mais je me souviens comment j'ai arrêté One Piece. J'ai arrêté au début de Thriller Bark. Parce que je trouvais que c'était un truc fou. Et quelques années après, j'ai repris et j'ai trouvé l'arc incroyable. Comment on peut arrêter en plein Thriller Bark, frérot? Je leur lise Thriller Bark. J'ai arrêté, je crois que j'ai vu Brook, j'ai fait non, c'est quoi ça? Il est déjà mort. Mais voilà, non, mais sinon, One Piece, j'ai l'impression que ça a toujours existé. C'est pour ça que je ne saurais même pas quand j'ai commencé. Naruto, je me souviens. Mais pas One Piece. One Piece, je sais pas. Ça a toujours été là, quelque part. Mais il faudra qu'on en parle tout à l'heure. Hein. Comment c'est possible de skip, de s'arrêter à Thriller Bark? Ça, c'est un crime. On en parlera tout à l'heure, frérot. Tu seras jugé. Hein.
Purée, ça y est, ça commence. Ah, j'ai fort. Akagami, t'as découvert ça quand? Attends, j'ai mis la caméra. Si ça bug trop, tu me dis, je l'enlèverai. Si ça bug, c'est pas grave, frérot, t'inquiète. Au pire, ça bug, ça se fiche sur ta tête, y a pas de souci. Moi, comment j'ai découvert? Bah, moi, je suis plus jeune que vous tous. Peut-être qu'il y en a du chat qui se reconnaîtront en moi, mais moi. T'as quel âge? J'ai 18 ans, j'ai connu ça à 8-9 ans. Dès 17, ça rentrait dès l'école. Ça allumait la télé un jour. Moi, fan de Naruto quand j'étais petit. Et un jour, je mets la télé et tout. Et bon, en vrai de vrai, je connaissais Dragon Ball, je connaissais le Gear Second de Luffy, parce que on faisait ça dans la cour de récré. Hein. Vraiment, c'est des vrais trucs. On faisait vraiment ça dans la cour de récré, les Kamehameha, les trucs comme ça. Mais je savais pas que ça s'appelait One Piece, le truc. Et j'arrive, j'allume la télé, et le truc que je me souviens, c'est Shanks qui arrête la guerre Marineford. Ouais. Et ça m'a choqué. Incroyable, vraiment, j'étais choqué de fou. Je me suis dit, mais c'est quoi cet animé, c'est quoi ce dessin animé et tout, de malade. Et après, du coup, bah, je regardais les épisodes dans le désordre. Parce qu'en fait, dès 17, ils mettaient pas les épisodes dans le bon ordre. Et du coup, je pouvais me retrouver à Marineford, après à Punk Hazard, ça revenait en arrière. Et après, j'ai tout recommencé quand je suis rentré au collège, du coup, à 11-12 ans, où j'ai lu tous les tomes. Mais sinon, comment j'ai découvert, c'est vraiment à la télé. Moi, c'est pareil, à l'époque de Dragon Ball Z, même t'allais à la Fnac et tout, il n'y avait pas tous les tomes, c'est-à-dire tu regardais en animé, et en fait, à l'époque, tu voulais pas tout savoir. Dès que t'avais un animé, tu tombais dessus, t'étais content. Si ça correspondait à quelque chose que tu avais déjà vu, tu étais encore plus content. Mais tu construisais beaucoup ton expérience en parlant avec les autres gens. Et des fois, on te mettait des grandes disquettes. Et c'était ça. Et c'est avec l'arrivée d'Internet et la Fnac a grandi que maintenant, tu achètes tous les tomes dans l'ordre pour suivre. Tu cries au spoil quand il y a les spoils. Alors qu'avant, tu appréciais ce que tu voyais. Et c'était pas nécessaire de tout voir ou dans l'ordre, etc. C'était une autre époque à l'époque. C'était un autre fonctionnement. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Akagami, il a vécu la même chose. Parce qu'au final, il a kiffé avec Marineford des 17 et tout. Et après, il a pris la décision de recommencer à zéro. Et j'aime bien un peu cette naïveté qu'on avait à l'époque et que lui a eu aussi. Où, vas-y, tu pioches, ça te plaît, les couleurs, les personnages, les trucs. Et tu. Ouais, quand tu prends ta décision. Tu, ouais. Mais moi, c'était vraiment le truc. Un épisode, c'était Marineford, c'était la guerre. Un épisode, c'était Skypea. Ouais. Tu voyais Luffy rigoler. Et c'est pour ça, en fait, comme tu as dit, c'est cette naïveté où j'ai accroché autant parce que je me suis dit, c'est quoi cet univers de fou? J'avais pas cette réflexion à l'époque, mais je me suis dit, c'est quoi cet animé où à un moment donné, ils sont dans les nuages, à un autre moment, le mec, il fait la guerre, à un autre moment, il est sur Punk Hazard, il y a un mec coupé en deux, il y a une fesse qui parle. Moi, j'ai pété mon crâne. Non, franchement, t'as quitté voir une fesse parler, ça, tu t'es dit, je vais regarder. Non, mais t'es fille, tu pètes un câble. Putain, il y a un cul qui parle, ouais. Hein, j'aime bien. Ouais. Ça m'a comment déjà ça? Hazard, ça a été dur. Hein. Punk Hazard, ça m'a fait décrocher aussi. Hein. À ma première lecture, Punk Hazard, je me dis, mais où est-ce qu'on va là? Je comprends rien. T'as décroché combien de fois en tout de... Les deux semaines. Hein. Et Thriller Bark, tu l'as lu en spoil ou... Thriller Bark, j'ai lu en tome. Attends. Ouais, Thriller Bark, j'ai lu en tome. Attends, non, c'est. C'est après Agnès ou avant Agnès? J'ai lu en scan alors Thriller Bark. Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé les tomes, c'était le tome 16, et quand j'ai commencé les scans, c'était la toute fin d'Agnès Lobby. Mais en vrai, Henrik, t'as déjà lu ou regardé One Piece d'un coup ou t'as vraiment jamais fait non, tout d'un coup? Non, j'ai jamais reboot. Et du coup, c'est-à-dire, c'est un coup, on parle d'un chapitre, tu dis ouais, c'est ça, et en fait, non, tu l'as jamais lu. En fait, j'ai le chapitre, mais j'ai pas le chapitre dans son contexte ou dans l'ordre que les gens ont aujourd'hui. Ouais. Vraiment de la même grosse manière. Grosse information, t'as les grosses lignes, quoi. Ouais, et puis même, par exemple, Thriller Bark, je l'ai jamais retapé. C'est-à-dire, j'ai lu en scan. En truc où, tu sais, moi à l'époque, tu lis, enfin, il y avait trois scans dans la journée qui tombaient, c'était Naruto, One Piece, Bleach. Tu lis, et One Piece c'était le plus guest des trois, tu vois. T'étais à fond dans Naruto, ton scan tu le regardes en prio. Ensuite, t'avais le Bleach parce que tu tombais ou au début de l'arc Arrancar qui est vénère, ou la fin de Soul Society, donc t'es là, c'est de la crème. Et après, One Piece, tu lis, mais parce qu'il y avait que trois mangas traduits aussi par semaine, tu vois. Donc tu lis, mais il n'y avait pas d'effervescence de ma part. De Captain Naruto, ça. Oh, même avant, c'était Gare à France. Gare à France. Oui, Gare à France, ouais. Putain. Ça ouais. Non, moi, et t'avais d'autres trucs aussi avant. Je me souviens plus à chaque fois exactement quelle année c'est, mais j'ai commencé One Piece au lycée. C'était un pote. Je regardais Naruto, moi aussi, à la base. Et un pote, Prince, mon frérot, il m'a dit, ouais, faut que tu regardes ce manga. C'est un pirate.
il a mangé un fruit du démon, du coup il peut pas nager, il est élastique. Oh, j'ai dit, ça m'intéresse pas ta merde. Et vendu comme ça, ça t'intéresse ah, pas. Ah, c'est du le tout. Pire commercial de l'histoire, ton pote. Je sais pas ce qu'il fait maintenant, mais putain. Surtout que quand t'as Naruto et tu manges tellement bien, tu te dis, mais pourquoi je vais me casser la tête avec ça, tu vois? Et on était, je crois, à la fin de Thriller Bark. Donc je devais être en première, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, on pouvait déjà suivre les chapitres semaine après semaine. Ça, c'était cool. Ouais. Donc moi, j'ai pas connu la galère des autres plus vieux que moi encore. Mais j'ai commencé. Je me suis dit, bah vas-y, je vais lui prouver que c'est de la merde. Ah, c'est fini. Il m'a piqué et maintenant, tatoué, c'est foutu. Ouais. Foutu. Ah, t'as un tatouage, One Piece? Ah, j'en ai pas qu'un. Ah, ok. Ouais, je savais pas du tout. Je sais pas si c'est quoi. Non, sur le bras. Non, je l'ai pas. Bref, c'est une boussole. Une boussole avec le chapeau de paille. Et là, c'est Luffy posé avec toutes les armes sur un trône. Ah, stylé. Avec toutes les armes des antagonistes. Mais, en mode Game of Thrones? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ouais. Ah, stylé. Exactement. Et j'étais piqué de fou. Et One Piece, comme Naruto, comme Hunter x Hunter, je trouve que. Et Bleach aussi, mais différemment, je trouve. Mais ils ont réussi à créer un univers avec des codes, certaines valeurs. Ouais, et ces valeurs, tu les respectes et du coup même, ça t'éduque un peu d'une certaine manière. Ouais, de fou. Ça te fait grandir et tu suis des codes. Ouais. Et ça, quand une œuvre arrive à te faire ça, c'est qu'elle t'a touché. Parce que je trouve, après, j'ouvre le débat, mais vous me le dites, je ne sais pas d'où vous venez, mais moi je viens de banlieue. Je pense que beaucoup aussi se reconnaîtront là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, où j'écoute beaucoup de rap. Voilà, on va dire, ça bouge plus large. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les codes du manga Shonen, Naruto, Bleach, One Piece, et les codes du rap. Tu trahiras pas, faut te battre, quoi qu'il se passe, tu te défonces, le dépassement de soi, le Shonen et tout. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de similitudes. Et donc, du coup, même dans mes potes, etc., et ben, il y a beaucoup, si t'écoutes du rap avec tes fans de rap, dans les codes, en tout cas, le rap d'avant, le rap d'aujourd'hui, Shisha, il y a de la, pas d'ami, il y a de la chatte. C'est moins ça. C'est pas du Aya. C'est moins ça, mais. C'est Jujutsu, ça. Ouais. Ça, c'est plus Jujutsu Kaisen. Ça, c'est. Bah, moi, en vrai. Pour compléter, moi, Naruto, quand je regardais Naruto quand j'étais petit, moi, je faisais tout ce qu'il faisait. Genre, pour moi, c'était vraiment une éducation où bah, tu veux lui ressembler. Parce que moi, j'avais pas ce truc où vas-y, t'as un recul sur l'œuvre. Moi, vu que je suis un gamin et c'est mon dessin animé préféré, et que c'est... parce que pour moi, avant, c'était des dessins animés. Et le mec, je le vois, il mange des ramen, il dessine sur tout le monde, il insulte tout le monde. Bah moi, je faisais pareil. Et dans Shippuden, quand il est plus sérieux et tout, je me dis, ah ouais, faut que je sois plus sérieux, faut que je sois mieux et tout. Donc vraiment, je voulais lui ressembler, c'était un modèle pour moi. Donc franchement, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais après, ça, je trouve, c'est un truc... C'est vrai que Naruto, c'est quand même marquant. Mais en vrai, le shonen en général, tu te dis, quand t'es un daron, tu peux laisser tes gosses regarder ça. Normalement, c'est des bonnes valeurs qu'ils récupèrent. À peu près tous les shonen, ils récupèrent des bonnes valeurs et t'es serein de ce qu'ils regardent un peu. Tu vois, ça leur met pas trop de conneries dans la tête, au contraire. C'est plus des bonnes valeurs d'amitié, tu sais, de la famille, l'honneur, etc. Genre. Ouais, même les phases de Kakashi, ceux qui respectent pas les lois sont des merdes, mais ceux qui pensent pas à leurs coéquipiers sont encore pires. Ouais. C'est des phrases... Après, faut pas que son enfant, il prenne trop exemple sur Itachi... Parce qu'un jour, tu vas voir fou. Non, ça véhicule des vraies valeurs. Hein. C'est une singerie, mais malgré tout ça, malgré le fait que ça soit un manga qui véhicule beaucoup, beaucoup de valeurs, on est capable d'aller tellement loin pour ce manga dans le clash, dans des délires de fou. Ouais, de ouf. Et ce qui est dingue, je trouve, c'est que... C'est la piraterie. Ah, c'est la piraterie, mais après, des fois, ça va trop loin. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on lit le même manga, mais on comprend pas du tout la même chose. Et mais le jeu, c'est ça qui est incroyable. Le jeu, il a changé. Le jeu, il a changé. Maintenant, t'as les stats, t'as cette question de supporters. Les gens, ils s'embrouillent, fans de Naruto, fans de One Piece. C'est devenu comme le foot, chacun maintenant. Avant, il y avait pas du tout ça. Avant, tu rencontrais un fan de manga, tu pouvais parler, t'étais dans le bus, tu pouvais parler une heure avec lui. Et on était tous fans de la même œuvre. Mais maintenant, avec Twitter, les réseaux, etc., il y a l'aspect supporter. Qui est venu dans le truc. Bah, et après, je trouve que c'est l'évolution, moi, je trouve, globale d'une communauté, pas forcément sur One Piece ou autre. Mais en fait, quand il n'y a pas beaucoup de gens qui se partagent un sujet, au début, tout le monde est soudé, et après, plus t'as de monde, etc., et plus t'as des clans qui se créent, t'as des. Comme au foot, comme plein de trucs, en vrai, la politique. Ouais, un million de trucs. Ça, quoi, Je suis d'accord. Et en vrai, si on parle de One Piece,
vu que c'est vraiment énorme et que la communauté elle est vraiment grosse, donc la part de toxicité ou la part, ça sera deux fois plus que dans les autres communes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, moi j'aime bien le dire sur Twitter parce que oui, peut-être on voit plus la communauté One Piece toxique, on voit plus la communauté One Piece dans les dramas et tout, mais parce qu'on est tellement. C'est ouais, normal et franchement. C'est différent des d'autres mangas, tu vois, comme Naruto par exemple, qui a grandi sans Twitter. Ouais, c'est ça. Les grands ouais. arcs de Naruto, Twitter n'existait ouais. pas. Et du coup, il y avait des forums. Mais des forums, c'est pas pareil que Twitter. Twitter, c'est... Oh, sur Manga France, t'allais, il y avait des 30 différent. Pages sur les scans, ça s'embrouillait. Hein. Naruto, ça s'embrouillait. Sur Manga France, ouais, tu peux quand trouver. Quand c'est Twitter, ça s'ouvre au monde entier. Alors ouais. que quand c'est dans un forum, ouais. tu vois, tu vas ouais. chercher. Alors que Twitter, c'est, ça s'ouvre. Et après, sur Naruto, t'as moins ce côté camp aussi, je trouve. Parce qu'en vrai, l'histoire est tendue autour de plein de persos, mais c'est moins distinct dans One Piece que... Ouais, il y a moins de camps, je suis d'accord. De je suis d'accord les révolutionnaires, la marine, temps. Le gouvernement et ouais. les pirates, tu vois. Là, c'est... Naruto, c'est moins extrême, je trouve, les différences. Ouais, t'avais juste après les petits camps Sasuke et Naruto, mais encore, c'était pas oui, la voilà. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. C'était pas fou. T'avais ceux qui détestent Naruto, t'as ouais. ceux qui détestent Sasuke parce qu'ils disent qu'il est complètement con, et ceux qui kiffent de fou ouais. et qui légitiment à mort ce qu'il fait, quoi. Mais les clans dans Naruto, ça s'est pas fait à la fin du manga où t'avais ceux, entre guillemets, qui aimaient, comme SNK par exemple, ceux qui aimaient la fin, ceux qui aimaient la fin de Kishimoto, la suite avec Boruto, et ceux qui n'aimaient pas, non, ceux... c'est pas moi, fait j'ai là j'ai lâché avant la fin de Naruto. Ouais. En gros, ah ouais Naruto, ouais, Naruto avait fait son devoir dans ma vie, donc je vais jamais cracher dessus, mais à la fin, je les skip. Enfin, je l'ai regardé en spoiler, mais moi, la quatrième grande guerre ninja, c'est pas mon truc. Hein. Ah, les spoilers. Hey, Henrik, est-ce qu'il y a une œuvre que ouais. tu t'es pas spoil ou pas? En vrai, toutes les œuvres que tu suis, tu te spoil. Enter, non, Enter, mais c'est, ouais, en fait, moi, à l'époque, et je l'ai dit souvent dans des vidéos, à l'époque, on raisonnait pas en termes de spoil. En fait, le terme de spoil, moi, tel que je l'ai considéré, il est venu avec Aizen, et c'était un spoil, c'était quelqu'un qui disait qu'Aizen, c'était un méchant, tu vois. Ça, c'était un vrai spoil. Mais après, savoir, 3 jours avant les autres, ce qui se passe, c'était pas un spoil. C'est cette sensibilité des nouveaux, quand tu regardes un épisode de Dragon Ball Z quand t'étais petit à la télé, et que c'était un épisode de l'arc-bout et que tu y étais pas, tu disais pas c'était un spoil. Tu le prenais comme ça. Mais maintenant, il y a une nouvelle sensibilité, il y a un truc, ah non, mais il faut que je sache, je peux pas me faire spoiler. C'est la nouvelle génération, je l'accepte et tout, etc. Mais en vrai de vrai, moi, à part les spoils type Aizen, c'est pas un spoil, c'est juste que je lis avant les trucs et ça s'appelle les spoilers et je lis les infos avant. Mais déjà, moi, à l'époque, lire les scans, c'était se spoiler aussi, parce que ouais, avant, nous, ouais, on attendait les tomes, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a une extrême sensibilité, des gens, ils voient un hashtag, s'il n'y a pas le hashtag, on dirait ils vont mourir, bon, c'est le game. Mais moi, je considère pas ça comme ça. Ouais, le plus important, c'est que toi, tu kiffes. Que tu lis, ouais, c'est ça. Tu prends du plaisir à lire des spoils, c'est pas parce que... Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, j'ai cette Madeleine de Proust où la première fois, moi j'ai lu les mangas avant Internet, la première fois que t'as Internet et que tu es au tome, je crois, 12 de Naruto, et que tu tombes sur un site et que t'as le résumé, tome 13, 14, 15, bah tu regardes, tu te mets dedans, tu lis, et c'était des résumés écrits, c'était même pas des images. Et là, tu vois que tout l'univers qui s'ouvre, et donc maintenant, je peux rester sur ça, moi. Et j'attends, vous, le moment... épicé que vous avez le vendredi ou le mercredi, parce que maintenant le chapitre sort le mercredi. Moi, dès le dimanche soir, je suis comme un fou. Donc, comme un ouf. Dès le dimanche soir et dès le lundi, je suis comme un ouf. J'attends les spoils, je réfléchis, j'imagine. Et c'est ça que j'ai partagé dans ma chaîne. Mais après, je peux comprendre qu'aujourd'hui, des gens, ils veulent pas. Tu savoures le truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est exactement ça. Ouais. Et moi, j'ai un double savouration, parce que mon imagination fait que j'imagine plein de choses avec les 3 lignes que j'ai. Et après, quand je vois les images, comment elles sont et comment elles sont construites, et ben, je découvre une deuxième fois le chapitre, en fait. Tu kiffes. Mais c'est un cerveau qui est comme ça. Hein. Et ouais, je kiffe, bah ouais, de ouf. Tant que t'as pas aussi de la déception, genre, en t'imaginant des trucs comme ça, en regardant le dimanche, dès le dimanche, les spoils et tout? J'ai pas de la quoi? De la déception. Non, moi je suis pas quelqu'un, je suis d'une génération où si t'es déçu, tu regardes pas. Je suis pas là, je vais mettre sur Twitter, je suis déçu, qu'est-ce qui se passe, j'aime pas. C'est, ouais, moi je regarde. Non, pardon, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais je regarde et l'auteur a essayé de dire un truc et où j'adhère ou j'adhère pas. Si j'adhère pas, je passe à autre chose. Je pense que je suis plus comme ça, ouais. Mais faudrait que je réessaye. Moi, je suis pareil, hein. Faudrait que je réessaye un jour à pas regarder les spoils, mais ça fait 20 ans que je lis les spoils. C'est-à-dire maintenant, dans ma consommation, c'est dans mes codes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, tant que toi, tu prends du plaisir, le reste... Mais de fou, je suis un daron, je suis encore là. C'est que... De ne pas regarder les spoils, du coup, ça va quand même un peu niquer le principe de ta chaîne, de base. Oui, ouais. non, mais une fois, je pourrais le faire, tu vois, je sors mes vidéos spoil en disant, bah, cette semaine, je n'ai pas regardé, je vous dis ce que je pense,
Et ça veut dire que tous ceux qui vont me regarder ont une information que moi j'ai pas, et ça inverse le rôle. Parce que ça peut être cool. Moi, tu vois. Et ça, ce concept, j'ai réfléchi, je vais peut-être le faire sur des chapitres qui m'inspireront, en mode, vas-y, cette semaine, je te fais mes 3 vidéos, mais je sais pas, et en fin de semaine, on voit le delta entre ce que j'avais imaginé et ce qui s'est vraiment passé. C'est dangereux, mais ça, je pense, à l'ancienne... Ouais. À l'ancienne, je crois que ça existait, ça. Il y avait des gens, ils faisaient des vidéos prédictions, ils se prenaient pour je sais pas quoi, mais... c'était ça. Une vidéo prédiction. C'était ça. C'était ça à l'époque. Vas-y, relance. Ouais, sauf que moi, dans tous mes commentaires, les gens ils vont me traiter parce qu'ils auront la vérité. Et moi, je n'irai pas mes commentaires. Et juste pour voir après, tu relis les commentaires et tu vois. Les commentaires, il y a souvent des insultes. Sur vos commentaires YouTube, est-ce que vous avez des insultes souvent quand même? Ouais, de fou. Sale chauve. C'est un truc de base. Et franchement, et après, moi, je crois que les mecs, ils sont vénères. Après, je dis pourquoi tu dis ça? Ah, mais non, je rigole. Et parce que je t'aime bien. Mais je fais, frérot, tu m'aimes bien, mais quand même. Si tu marches dans la rue, qui m'insulte. Sac de merde. Pourquoi? Mais je t'aime bien, frérot. Ah, ok. Mais je t'aime bien. Je suis mort. Et du coup, mec, t'as des insultes aussi sur tes vidéos YouTube? Ouais, moi, tout le temps. Franchement, tout le temps. Ah, ouais, c'est. Mais moi, ça me fait rire. En vrai, moi, je te mens pas, les insultes. Je trouve ça drôle. Parce que, en fait, à partir du moment où je trouve que t'arrives à te mettre en tête que c'est Internet, c'est comme ça. Et que c'est des gens qui font ça que. Bah, parce que sûrement, ils sont frustrés dans leur vie, tu vois, ils se défoulent en allant sur Internet. Moi, je le prends pas à cœur. En vrai, je suis grave détaché, tu vois, et ça me fait rire. Genre, je trouve ça drôle, et puis, fin de l'histoire. Bon, c'est principal. Tant que ça te vénère pas à toi, Kagami, ça fait longtemps que t'as pas sorti de vidéo. Ouais. Bah, là, j'étais en train d'en écrire une carrément. Sur quoi? Vas-y, balance-nous, comme ça, on va la faire avant toi. t'écris tes vidéos, mais t'es studio, Kagami. T'écris tes vidéos. J'écris mes vidéos. Branche ta cam et parle. Non, mais attendez, je vous promets, regardez, je vous montre mes notes. J'écris mes vidéos et quand j'ai de l'inspi et tout dans le tramway, dans le métro, hop là, je pars, j'écris, je dis ce que je pense et tout. Par exemple, excuse-nous, le terminal L, il est fort. Non, mais vous rigolez, mais j'ai une page de 10 000 mots de Kaido, pourquoi Kaido est un très bon personnage. Et voilà. Ah ouais. Okay, je fais la même chose. Toi aussi t'écris? Ah toi t'écris cette vidéo? Ouais, j'écris à bord. Mais quand... Parce que en vrai, les autres, ça parlait tranquillement, hein, Henrik. La vérité. Hein. Tu parles bien. Ouais. Ouais, j'ai de l'aisance, mais là, pour vous dire, la dernière vidéo, je l'ai écrite et je sens que dans les commentaires, ça s'est ressenti. Et moi, je vais plus écrire. Ah ouais, moi je sais pas comment vous en faites. En vrai, c'est intéressant d'écrire. Impossible. C'est une dinguerie d'écrire. Impossible. Même si tu mets juste des tirés avec des idées, juste pour structurer un peu ce que tu comptes faire. Mais quand vous enregistrez, du coup, des fois, il y a des moments où vous vous ratez dans la lecture, non? Du coup, vous coupez, vous recommencez le passage. Ouais, il y a des moments. Il y a des moments où ça dépend du niveau de lecture de chacun. Mais si le niveau de lecture est catastrophique. Moi, je fais un one shot sans lire, 10 minutes, il n'y a aucune coupure dans mes vidéos. Sérieux? Pas de. Mais après, regardez les vidéos d'Henrik, lui, il débite. Hein. Franchement, tu débites, Henrik. Hein. Il parle beaucoup, machallah. Je sais pas si c'est. C'est bien. Moi, j'écris jamais. Non, moi, c'est un compliment. Je peux pas écrire, les frérots. J'ai essayé une fois. J'étais avec Marco Di Marco, on était sur Discord. Ah, je crois qu'il allait pleurer de rire. J'ai lâché ça et j'ai fait une vidéo à l'arrache. Toutes mes vidéos sont à l'arrache. Il n'y a aucune. Et même vidéo... pas des idées? Genre, si t'es dehors, tu sais que t'as une idée, t'as pas peur de l'oublier? Quand tu rentres chez moi, je les note dans ma tête. Ouais. Jamais d'idée. Ok. Jamais d'idée, moi. Et maintenant, je vais écrire. Je les note dans ma tête, ça veut dire que tu les notes pas? J'ai un fil conducteur et quand j'ai une idée, je dis ah ouais, tiens, je vais parler de ça. Et après, des fois, ça m'arrive de ouf. Je parle. Et au montage, j'ai mon idée et merde. Bah, tant pis. C'est trop tard. C'est chiant de ouf, ça. Ouais. Je sais pas. C'est pour ça que tu devrais écrire, Henrik. Ouais, non, je vais commencer à écrire, je pense que c'est un nouvel exercice et c'est un truc que j'ai envie de faire. Mais quand t'écris, après, faut faire un montage et tout, non? Faut que tu mettes des cuts et tout, des passages. Comment c'est long, ça ? Moi, mes vidéos, c'est que voix off et que du montage. Hein. Ah ouais, tu es pas face cam, toi. Ouais, t'as des vidéos, tu sais, un peu narratif où tu parlais avec une voix en voix off et tout, et t'as des vidéos facecam, ouais, tu débites et puis tu t'arrêtes pas et... Ah non, moi mais par exemple, il y a quelqu'un qui maîtrise bien ça, c'est Goji. Et Goji, lui, il fait script et tout, montage et tout. Et après, des fois, il y a des passages où on le voit lui et après il mais parle. Ça, c'est récent. Ça, c'est très il récent. Il est trop fort. Il est trop fort, Goji. Ouais, Goji, il est vraiment fort. Hein. Ça, c'est récent qu'il a fait ça. Mais il charbonne. Hein.
Je me souviens quand il disait que. Ouais, quand il est en sueur souvent. Il fait 24 heures d'affilée, il taffe 24 heures d'affilée sur la vidéo, sans dormir, sans rien. Mais des fois, il a dit, il était au bout. Hein. Ça m'étonne pas. Il sortait pas, il faisait pas de sport et tout. Ouais. Entre le temps où la vidéo sort et toutes les images de montage, tous les cuts qu'il y a, non, c'est un truc de fou. Ouais, mais il est trop fort. Je pense qu'il faut s'organiser avant, il faut te faire des dossiers avec que des images et des vidéos de Sanji, de tous les personnages qui peuvent potentiellement apparaître. Ouais. Et comme ça, quand tu viens, tu bosses ton truc. Une fois, j'avais essayé de faire un montage vidéo, j'avais Google. Je tapais des phrases qui avaient que ni tête. Kaido qui tape sur. Pour retrouver c'est ça. Ouais. Ah, le montage venu des enfers. Ah non, c'est hardcoreissime. Bon, les frérots, on va parler maintenant de sujets intéressants. Je vous propose qu'on commence par la fin d'arc de d'Onigashima et on va aller jusqu'à avec Ed. Donc, je veux savoir déjà comment est-ce que vous avez trouvé cette fin d'arc d'Onigashima sans langue de bois, sans filtre. Soyez clair, concis. Claqué. Ça commence. Bon, désolé, mec, il doit nous quitter. Il a dit qu'il avait un rendez-vous. Les problèmes. Bah, vas-y, pourquoi en vrai, si je veux commencer, moi, en vrai, claqué, c'est peut-être un mot assez dur, mais pas vraiment, je trouve, parce qu'en fait, pour moi, c'est un truc qui aurait pu être dans un autre manga. Onigashima, surtout la fin, ça aurait pu être cool dans un manga banal, quoi. Mais dans One Piece, je trouve ça claqué. Parce que pour moi, One Piece, c'est un niveau tellement élevé sur le reste de l'œuvre que j'ai vraiment pas kiffé la fin trop classique, je dirais, d'Onigashima. Après, bon, je vais laisser les autres parler, mais il y a plein de trucs qui m'ont un peu dérangé. Okay. Moi, je suis pas du tout d'accord, donc je veux bien poursuivre. En vrai, Onigashima, le début, bah voilà, ils arrivent, je sais pas, ils arrivent, mais la fin, je l'ai trouvé incroyable. Hein. Vraiment, tout le délire avec Joy Boy. Vraiment, pour moi, ça peut être la même chose, mais c'est juste, on entend des tambours. Mais ça change tout. Ça change tout. Là, enfin, vraiment, ça m'a fait rêver, quoi. La Darbuka, ça t'a fait kiffer. La Darbuka de la Libération. Le mesmo de la Libération, t'as kiffé de fou. Alors qu'en vrai, c'est vrai que ça changeait pas réellement dans notre arc, hein, un gros coup de poing, c'est tout. Mais ah ouais, moi j'ai jamais pensé ça. La manière dont il a raconté le truc, c'était trop fort. Ah, pour moi, c'est pas un gros, c'est un gros coup de poing, certes, mais ce qu'il a mis dedans, autant d'Aki des Rois dans autant de surface plus gros qu'une île. Oh, c'est abusé. Oh, mais juste oui, la taille. C'est abusé parce que le coup de poing, il fait Onigashima, c'est immense parce que quand les navires ils arrivent. On voit par rapport à l'épée qu'il y a et tout, tu vois, c'est une chnouna de nez. Tu vois, c'est une crotte de nez qui arrive. Et tu dis que le point de Luffy, il était plus balèze que cette île et que le point était imbibé d'Aki des Rois. Mais c'est trop. Aki des Rois, il le sort d'où, tout ce Aki des Rois? C'était trop. Et là, non. Ça, normalement, c'est un homicide volontaire direct. Ça tue n'importe qui. Il n'y a pas de... Ce coup de poing-là, c'était trop. Donc, t'as kiffé, toi, du coup. On a un claqué, un kiffé. Ouais, j'ai kiffé la fin, mais après tout le déroulement, bah, je pense qu'on... Enfin, je sais pas si on est d'accord sur ça, mais One Piece, ça met du temps à être mis en place, mais après ça paye. Mais c'est juste que c'est long, hein. Même Onigashima, l'arc en lui-même, il est long. Je te parle même pas de Wano. Wano, déjà, c'est long, mais rien qu'Onigashima, tous les... tu sais, quand ils étaient en zombie gelé, là, c'était super long. Hein. Et en vrai, chaque fois, il fallait survivre, hein. Mais ça paye. Tu me fais rire, frérot. Je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. T'as un côté trop. Trop hanine, trop sincère. Et toi, Kagami, du coup? Moi, en vrai, j'ai kiffé l'arc. J'ai kiffé l'arc et tout. Je l'ai lu trois fois. Ça veut dire que je l'ai lu, bah, comme tout le monde, on attendait les chapitres toutes les semaines. Et après, je l'ai relu. Pas cet été-là, mais l'été d'avant, quand Oda il a fait une pause de un mois pour aller en Afrique du Sud. Et je l'ai relu là cet été. Et franchement, quand tu lis d'une traite, l'arc il est très bon. Mais par contre, je comprends qu'on puisse être déçu parce que avec toute la hype qu'il y avait autour de l'arc, avec tous les mots des éditeurs, de Oda, etc., pour vendre l'arc, il était pas... C'est pas un arc légendaire. Mais il y a des côtés négatifs. On pourra en revenir après, mais si je prends l'arc dans sa globalité avec tout
comment il a été préparé depuis Punk Hazard, parce que Kinemon et tout, ils apparaissent tous à Punk Hazard, et du coup, c'est la finalité de leur mission. Moi, j'ai kiffé, et franchement, allez le relire, hein, parce que l'arc, il est vraiment bon. Bon, bah, du coup, mec, t'es seul pour l'instant. Du coup, ouais. Henrik, on va te mêler, frère. L'arc Onigashima, il y a deux points de vue. Le premier, c'est au niveau de la promesse, et il y a une confusion sur la première qui a été faite par Oda, c'est dans la bataille finale, Marineford va passer pour du pipi de chat, et beaucoup ont interprété cette bataille finale comme Onigashima. Aujourd'hui, il se trouve que c'est peut-être ce qui va arriver, mais au début, c'est ce qu'on s'était dit. La promesse englobe aussi deux empereurs, et rappelez-vous déjà à l'époque où Luffy avait déjà galéré pour Katakuri, que Luffy batte un empereur, ça nous paraissait compliqué. Secondo, il y avait le personnage de Sanji qui n'a pas eu une histoire glorieuse de toute la deuxième partie. Et on se demandait si ça allait être finalement toujours le numéro 3, surtout avec l'intégration de Jinbei. Et autrement dit, est-ce qu'il allait réussir à battre Queen? Donc beaucoup de promesses. Et à ma première lecture, et c'est cool qu'Agami parle de plusieurs lectures, j'ai été déçu par la longueur, par les événements. Et par ces promesses qui n'étaient pas tenues, à mes yeux. On voulait à la fin Barbe Noire qui arrive. On voulait à la fin Shanks qui arrive. Bon, il est venu pour le film Red, mais on voulait que d'autres personnes arrivent dans Onigashima parce qu'on nous avait vendu beaucoup de trucs. Une fois tout ça passé et que cette émotion passée, j'ai adoré la transformation de Luffy. Je trouve qu'elle était pertinente et la prise d'Oda. Moi, mon goût, c'est surtout la prise de risque. Si un auteur prend un risque, je vais le suivre. Si un auteur me fait quelque chose que j'avais anticipé, je vais pas être content. Et ce que ça raconte, l'histoire de la transformation du Gear 5 comme Luffy, qui finalement, sa plasticité ne devient plus que physique, mais aussi imaginaire, et pourquoi pas une rupture du quatrième mur, ce que je me suis dit, j'espère que ça va arriver, mais c'est pas arrivé, je trouve que c'est vachement bien joué. L'antagoniste Kaido, mis à part de la force pure, il a pas de storytelling, il a pas d'histoire, et ça c'est con, j'aurais aimé qu'il ait un truc à raconter, comme Doflamingo, tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, on a eu Doflamingo très storytellé, on pouvait pas avoir autre chose pour... Enfin, ça aurait été une redite. Et peut-être que dans la dernière partie de One Piece, on aura des personnages storytellé, et ils le méritent plus, Xebec, Barbe Noire, etc. Donc que de temps en temps, pour respirer, t'es juste un boss, c'est un mur, il faut franchir ce mur. J'étais très déçu pendant, mais après je me dis, vas-y, fine, c'est peut-être ça aussi son rôle. Est-ce qu'on peut contredire maintenant, ou on attend? Ouais, bien sûr. Ah. Je fais un peu le tour. Tu peux faire caca, vas-y. Ouais. Parce que sur Kaido, ouais. En gros, moi, comment je l'ai perçu dans ma deuxième, troisième lecture, et c'est pour ça que je prépare vraiment une vidéo sur lui, sur sa philosophie de la guerre, etc. En fait, beaucoup ne l'ont pas compris de part quand on a eu son flashback qui faisait vraiment... je crois qu'il faisait trois cases, trois pages. Ah, je te rassure, tout le monde a compris trois pages. Oui. J'étais petit, je suis moyen, ouais. Je suis grand. Mais, voilà, mais personne n'a compris pourquoi Oda faisait un truc de trois pages pour un personnage aussi important. Et en fait, moi, en tout cas, sur ce que j'ai compris et sur ce que ma vidéo portera, c'est vraiment là où Oda, il a réussi son personnage, c'est dans l'échec. C'est Kaido pensait être Joy Boy, Kaido, du coup, ne l'était pas. Kaido pleure, etc. Parce que en face de lui, c'est pas Joy Boy. Il pense que Luffy n'est pas Joy Boy. Et même jusqu'à sa mort, si c'est une mort, etc. Il y a des gens, ils ont dit oui, mais elle ou la mort qui voulait, la mort Jean de Barbe Blanche qui voulait, etc. Mais le personnage est un échec. Même quand il meurt, il n'aura pas la mort qu'il veut parce que tout ce qu'il veut, eh ben, il ne l'aura pas. Et c'est pour moi, en tout cas, comme je l'ai compris. Et c'est pour ça que je kiffe autant. Le personnage de Kaido et comment il est écrit, parce que c'est pas un personnage comme Doflamingo, c'est pas un antagoniste où vas-y, tu lui mets un flashback et vas-y, ça devient le personnage préféré de tout le monde, etc. Mais c'est par son échec, de sa volonté, de même, il avait dit « Ma mort amènera la plus grande guerre que le monde ait connue ». Bah non, sa mort n'amène pas la plus grande guerre parce que c'est un échec, le personnage est un échec. Non, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Kaido, il dit pas ça à Kaido, je crois. Je crois pas qu'il... Il dit un truc comme ça, non ? Non, il veut lui enclencher la plus grande guerre qui ait jamais... Par sa mort. Ouais. Non, pas par sa mort. Voilà, juste... Il veut être acteur de cette guerre. Ouais, il dit pas ça par sa mort. Mais je crois que ça, je voulais parler, après j'aurais des trucs à dire aussi. Ouais. Et justement, je crois que quand il parle de sa mort, très exactement, c'est dans son flashback, justement, quand il est en train de parler à King, il lui dit, la personne qui va me vaincre, ce sera le Joy Boy. Et c'est pour ça que, pour moi... Justement, dans sa défaite, il a réussi, il a atteint tous ses objectifs. En vrai, l'arrivée de Nika, elle est incroyable.
Ouais. Moi, non, parce que si jamais c'est quelqu'un qui chercherait la défaite, il n'aurait pas vaincu Oden Kozuki sur un fait de jeu. Que mais c'était pas lui. C'était pas lui. Ouais. Oui, mais quand même, tu vois, mais quand même, t'as un vrai samouraï. Bien sûr, bien sûr. T'as un vrai samouraï, tu stoppes le combat, tu reprends. Et d'autre part, son problème, justement, ça dit je veux déclencher la plus grande guerre, mais t'as jamais affronté les Tenryu Ito, tu n'as fait que affronter des opprimés. Donc en fait, d'un côté, tu cherchais l'adversité, le meilleur combattant, et ça, on le sent bien, et c'est fait. Mais dans les faits, c'est pas ça. Ah, t'es pas parti chercher le meilleur combattant, t'as opprimé un peu plus. Au contraire, moi, je pense qu'il a... C'est là, je me suis dit... Moi, je pense qu'au contraire, il a construit l'accord qu'il fait avec Doflamingo, c'est pour créer un empire qui va lui permettre d'enclencher la plus grande guerre avec les Smiles. Il voulait une armée de fous. Son système de Smiles est tombé à l'eau à cause de Luffy et de l'alliance avec l'eau. Mais de base... il était en train de créer, parce que sur l'île, il était en train de créer des armes, il était en train de forger un empire qui allait être capable de vaincre ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a l'alliance oui, après avec Kaido et Big Mom, quand ils se disent bah, 20 ans, on va s'allier. 20 ans de création, quand tu veux obtenir quelque chose par autre chose que la force, c'est OK. Mais à partir du moment où tu es l'être le plus fort, normalement, tu ne dois pas être stratège ni rien. C'est comme si Kira il mettait des coups de poing, ou c'est comme si Sengoku se mettait à réfléchir. Au bout d'un moment, il y a deux archétypes, où tu es un stratège à la Aizen et t'attends, où tu es quelqu'un de très puissant et t'attaques. Et là, l'entre-deux. Bon, après, j'accepte. C'est le truc d'Oda. Vas-y, franchement, c'est cool. Il faut que je relise l'arc aussi. Je suis d'accord dans le sens où tu sais qu'à Marineford, il a entendu qu'il y avait Barbe Blanche à Marineford. Il se lève, il bouge direct. Ouais. D'où je trouve ça compliqué de se dire qu'il a été prêt à attendre, à être patient le temps que son empire se crée. Mais qu'à côté, dès qu'il y a une opportunité, il fonce dessus. Bah, et au final, en fait, il est folle. Là. C'était une bataille. Barbe Blanche qui va attaquer. Oui, il n'a pas réussi finalement. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Parce qu'en vrai, je me suis. On s'est tous posé la question sur Shanks, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et si, en vrai, Shanks, il lui avait pas dit. Parce qu'on sait qu'ils ne se sont pas battus à mort, sinon Shanks il serait jamais là à Marineford dans un jour. Et si Shanks n'avait pas dit retourne à Wano, il y a bientôt Joy Boy qui va venir, etc. Comment Shanks? Mais j'espère que c'est ça, moi. Parce que pareil, moi j'adore le personnage de Shanks, je me fais vanner toute la journée. Comment tu peux aimer un personnage qui apparaît 5 fois dans le manga? Mais le fait que ce soit un guide et que depuis le début. Il est autour de tous les personnages et qu'on s'en rende pas compte, etc. Le fait qu'il a volé le fruit du démon au CP9, parce que pour moi, il savait que le fruit du démon avait cette importance-là. On pourra refaire un autre débat, mais pour moi, il devait le donner à Ace au début, parce que Roger voulait que ce soit son fils, le roi des pirates. Et donc, le fait que je pense que Shanks, parce que c'est la seule raison pour moi qui aurait fait que Kaido reparte de son côté. Mais et le fait qu'il lui aurait dit « Ouais, retourne à Wano, il y a bientôt Joy Boy qui va venir, l'élu viendra te battre et enfin tu pourras mourir en paix », et bah pour moi c'est vraiment la seule raison qui aurait fait que Kaido soit reparti. Je vois pas sinon qu'est-ce qui aurait pu se passer, parce qu'un combat c'est impossible. Il y a un problème avec Kaido, ça dans la tempo. Hein. C'est impossible qu'il s'enfuit devant Shanks, c'est pas possible avec le personnage de Kaido. Ah oui, c'est impossible. Mais dans la tempo, pour moi, c'est la seule raison. Dans la tempo, il y a quand même un souci. C'est le fait que Shanks cherchait le fils de Roger. Ça, c'est un peu compliqué. Parce que Roger, il a un enfant quand il a quitté l'équipage. Shanks, à ce moment-là, c'est un enfant. Donc, je pense pas qu'il ait un réseau d'informations incroyable. Et le seul qui possède cette information, c'est Garp. Et je vois pas Garp dire à Shanks à un moment donné il y a un gamin qui traîne. J'écris ma prochaine vidéo sur Shanks et en vrai dans c'est le flashback d'Oden c'est sur Shanks. Il y a dans le flashback d'Oden Roger il dit bien le prochain roi des pirates ça sera Ace mon fils. Du coup il avait déjà le nom de son fils avec son sabre. Je me rappelle pas de cette phrase. Ouais, non, il dit ça sera mon fils, ça sera mon fils, le roi des pirates. Ah ouais, il dit mon fils. Ouais. Et à côté, t'as Riley. Du coup, t'as Riley. Et il y a Riley à côté, et c'est le seul qui entend, entre guillemets. Et pour moi, en tout cas, pour moi, comment je vois ce qui s'est passé, c'est mon corbeau, ils aiment bien le dire, il a donné un rôle à chacun de son équipage. Et le rôle de Shanks, c'était de retrouver le fruit du démon et le donner. À son fils. C'est pour ça que Shanks est allé à Ice Blue. Et le fait qui fait me dire ça, c'est que
Après, juste après que Luffy mange le fruit du démon, il va voir Riley et entre guillemets, il se justifie. Il dit « Oui, mais il a dit les mêmes paroles que Roger. C'est pour ça que, entre guillemets, je lui ai laissé et c'est pour ça qu'il était rassuré, entre guillemets, Shanks, de laisser le fruit du démon à Luffy. » Il lui a pas laissé. Il lui a pas laissé, mais il l'a mangé et ils sont tous surpris. Mais c'est au moment où il dit les mêmes paroles que Roger que Shanks, en tout cas, il est rassuré. Et du coup, avec la prophétie du chapeau de paille, il le fait devenir pirate et entre guillemets, il lui transmet la volonté de son capitaine. Mais juste après, il va se justifier auprès de Rayleigh. C'est comme si il disait « Ah bah, j'ai pas trouvé le fils du capitaine, mais j'ai trouvé un garçon, il a dit les mêmes paroles, donc c'est peut-être lui. L'élu, c'est peut-être lui celui qui deviendra Joy Boy. » Moi, je pense que c'est en référence aux les paroles, c'est sûr. Maintenant, on le sait, c'est le rêve qu'on connaît pas encore. Le rêve que Luffy a donné à tout son équipage, tout le monde était mort de rire. Et il dit bien, ouais, quand je l'ai dit à Shanks, il a pleuré. Il a pleuré. Ouais. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est juste qu'il a été surpris par ça. Et il en a parlé à Rayleigh. Moi, je pense. Il y a un gamin qui a énoncé le même rêve que Roger, quoi. Rêve de fou. De toute façon, je pense que Oda, il va recomposer cette histoire-là. Parce que quand il a écrit au début, il avait peut-être pas tous ses tenants et aboutissants d'histoire. On va voir comment il va racoler les morceaux. Il est très fort pour ça. Et c'est un professionnel, donc il n'y a aucune critique là-dessus. Maintenant, moi, je serais déçu que Shanks ne soit qu'un passe-plat, du style qu'il ait passé 38 ans de piraterie sur une phrase de son capitaine et qu'il n'ait pas sa propre personnalité, sa propre envie, sa propre vision du monde. Et je suis très content qu'aujourd'hui, on le développe à travers les Figarland, à travers ses relations avec le Gorosei, et que ça ne soit pas juste le second Roger, en mode, il y a 38 ans, un vieil alcoolique, avant de mourir, lui a dit un jour, quelqu'un prendra ma relève, trouve-le, et que le gitan, ça soit son chemin. J'aime bien qu'il ait sa propre histoire, son propre truc, et qu'il vive autrement qu'à travers l'histoire de Même Roger. Même, il le dit à Bill Beckman. Hein. Il lui dit, on est posé avec un regard bien vénère. Il est temps d'aller chercher le One Piece. Ça y est. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, je pense que... Je sais pas si on peut parler de ce sujet rapidement, les gars. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui ont la réponse ici. Moi, la phase d'Oda, j'ai vraiment pas compris. Sur le chapitre où ça se finit sur Shanks qui te dit on va s'emparer du One Piece avec un regard noir, où il parle que à Ben Beckman. Ouais. Peut-être tout le monde est hypé en mode ouah, la dinguerie et tout. Pour que le chapitre d'après, il engueule Ryukyu en mode hey, les jeunes, t'arrêtes de les embêter. Hein, t'as aussi peur que c'est pas bien. Ce que tu fais. Ouais. Et en plus, en fait, comment ça One Piece Red. Bah, dans le sens où, si t'aurais eu le premier chapitre où Shanks, il fait un peu peur. Il fait peur contre il fait flipper contre Aramaki. Oui, mais ça va. Enfin, en tant que lui a chié dessus. Moi, ça m'a choqué. Oui, mais. Non, mais pas niveau puissance. Je te parle de ce que ça évoque. Parce que dans le chapitre d'avant, tu te dis, attends, ce délire. En fait, il veut tacler Luffy, il veut, tu vois, truc de fou. Et chapitre d'après, en fait, il les kiffe, les jeunes. Vraiment, il leur parle. Ouais, mais Shanks, il est pas comme ça. Shanks, il est pas comme ça. C'est pas la nature du personnage de se dire, je vais utiliser un gars qui va attaquer l'autre comme ça derrière. Aucun intérêt. En fait, je pense. Et pourtant. Non, vas-y, Henrik. Non, c'est que c'est ça. C'est que je pense, Shanks, ok, Luffy. T'es prêt, maintenant on va à la course au One Piece, mais comme Ryukyu vient quand ils sont tous éclatés parce qu'ils viennent de faire une bataille de ouf, c'est en mode si tu la joues, tu la joues, mais va pas affronter les petits quand ils sont fatigués, tu vois. Après, il n'y avait pas besoin, en vrai, il serait fait mêler, en vrai. Mais il a sauvé la vie d'Aramaki, en vrai, à ce moment-là. Et pourtant, vous voulez savoir un truc Je suis d'accord avec Mec que cet Shanks qui vient à la fin de Nigashima ne sert à rien, et pour moi, c'est là pour One Piece Red. Voilà, je disais exactement la même phrase, même pendant la crosse, c'était mon point de vue, mais je trouve que qu'il soit venu pour le film ou pas, dans le scénario, ça fait plaisir. Mais plus tard, ça a été entre guillemets et non, c'est justifié en mode je cherche Barbe Noire et il est pas. Je l'attendais. C'est expliqué, c'est pas. Après, Oda, c'est sur la ruche depuis 2 ans. Non, mais tu vas pas sur la ruche. Non, mais faut être complètement con comme Garp pour aller sur la ruche. Il y a pas de. Garp, tu vois ce qu'il fait en tout fait, seul. La ruche, en fait, c'est dangereux. Poche de Shanks, franchement, ça irait. T'as vu Mec, t'as vu Hunter x Hunter? Comment? T'as vu Hunter x Hunter? Ouais, pas les derniers scans, mais ouais, je suis à jour. Sinon. Non, mais tu sais, au bout d'un moment, Gun, il essaie d'attraper le badge d'Izuka avec une canne à pêche. Oui. En fait, on lui explique, le seul moment où tu peux attraper quelqu'un et anticiper, c'est quand ce quelqu'un chasse une autre personne. Donc en fait, Shanks, il voulait chercher Barbe Noire quand Barbe Noire chassait les survivants de Nigashima, je pense. Hein. Du coup, on va faire juste une toute petite pause. Il y a Hunter qui va monter. Hunter, du coup, il n'est pas à jour. Il est à NES Lobby. On va échanger vite fait avec le frérot.
va galerie et après on reprendra. Ouais. Vas-y. On reprendra parce qu'il y a des choses à dire. Mec, je suis pas du tout d'accord, comme d'habitude. Hâte de voir son avis. On va voir ça. Du coup, je vais lui dire. Je vais te la dire. Vas-y, mon ref. Bon, en tout cas, l'arc actuel, c'est la folie. Incroyable. C'est la folie furieuse. On attend juste qu'il arrive. Là. Dinguerie, hein. D'ailleurs, j'ai une théorie, les gars. Moi, je pense qu'elle se confirme de jour en jour. Oda a volontairement fait de la fin de Nigashima un truc pas ouf. Pour Kegen, attends, mon ref, qui est incroyable. Je te coupe. Ils sont encore plus attends, incroyables. Je te coupe parce que. Non, il est en cette attente, il n'entend pas normalement, mais on prend zéro risque. Fais monter Hunter sur ces belles paroles. Allez. Moi, Sani, je peux te dire un truc. De toute façon, ça. Hunter, il est monté, il ne faut plus dire. Ouais. C'est ah, fini. Là, on peut parler que d'Adias Lobby, les frérots. Le GOAT. Salut, Hunter. Salut. Hunter, le timide. Ça va, Hunter? Ouais, je sais pas s'il nous entend. Ah, il est là, le BG. Il est là, il s'est dit, je vais montrer ma belle gueule. Il veut montrer ses muscles, je crois. On n'entend pas. Il peut pas répondre. Ça bug. Venez, on l'insulte. Je trouve que franchement, il est pas fou ce qu'il fait. C'est les gros bâtards. Toi qui monte. Il est parti. Non, ça c'est beau s'il a dû le faire descendre et monter. Ça c'est le Discord. Toi qui répond pas, on peut lui chier dessus. Hunter, essaie tes paramètres Discord. Ton micro, essaie de le régler. Ouais, peut-être il est pas sélectionné ton micro. Ah, je veux qu'il me parle d'un fait. Ça a l'air d'être un adulte. Je veux lui donner une phrase. Parce que moi, j'ai pleuré. J'avais l'alarme de fou à la mort. Ah, pour le Vogue Mairie. Pour le Vogue Mairie. Ah, oui. Il y en a plein qui disent, vous êtes fou. Mec, il a tourné sa tête. Ce Harbi, son cœur, il a dû se dire, c'est un bateau qui s'est cassé la tête. J'ai eu les larmes aux yeux. Larmes aux yeux. Elles sont arrêtées aux yeux, mais elles ont été là. Elles tu veux qu'elles aillent où, frérot? Ah, elles ont pas coulé, tu vois. La fierté, elle est retient là. La fierté, elle retient. Non, mais l'arc Agnès Lobby, il y a un avant, un après, il y a une maturité. Hein. Ouais, de ouf. Ah, c'est la folie. C'est leur premier vrai mur. Et je pense que ça a été le seul vrai mur, Agnès. Tu penses? De toute l'œuvre. Bah, c'est un gros mur, en tout cas. C'est énorme. C'est... Même d'histoire. Mais après, c'est facile de faire un mur aussitôt dans le manga que maintenant, par exemple. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même si pour moi maintenant il va se passer une dinguerie à la fin d'Egghead. Chut, si moi... raconte le frérot. Chut, voilà. Mais il est incroyable le frérot. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Donne même pas le nom des arcs, rien du tout. Aucun nom d'arc, rien du tout. Dis rien. Aucun nom d'arc, rien, zéro, Walou, ça n'existe pas. Nous là, le dernier chapitre qui est sorti, c'est le bateau qui crame. Voilà, c'est ça. On n'a pas d'autres infos. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi non plus, hein. Aucune idée. J'ai skip. Je crois que ton micro, il a cramé avec le bateau, frérot, ou... Il est encore ému. Ah, il en a là, dans les chapitres. Ouais, c'est ce que j'ai cru. Bah, j'étais passé vite fait sur son dernier live. Et il était sur One Punch Man. Ça aussi, c'est de la folie. Ouais, parce que maintenant, il s'est diversifié, il fait du One Punch Man aussi. C'est ça, lecture des chapitres. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le combat après Garo, ce qui se passe. Ou pas de spoil, s'il vous plaît. Pardon. Bah, de toute façon, c'est juste un début d'arc. En vrai, il n'y a pas encore de trucs vraiment fous. Mais il y a des enjeux qui ont l'air un peu plus larges. Ah oui, mais carrément. Ouais, ça, faut que je regarde. Tu vois, ça, j'ai trop envie d'aller voir ta chaîne et tout, voir plein de vidéos que tu fais. Ah, elle est stylée, les vidéos de Chage. Moi, je suis pas la bite, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Vas-y, Chage, mais moi, je suis grave gêné quand il y a des gens qui regardent mes vidéos. Je regarde souvent tes vidéos et franchement, elles sont grave stylées. Hein. En fait, c'est parce que t'es gêné, t'es tout timide là. Ça me donne envie de voir tes vidéos parce que je me dis, ça doit pas être la même personne devant. Il est dynamique, il met du montage, il analyse bien les choses, il fait des théories dedans. Non, c'est un bon. Il fait des bonnes vidéos, il fait du bon produit. Bon, les frérots. J'essaye. Et après, tu l'invites en live, il est là. Bonjour, je m'appelle Sériel Chage. Il a tenu le mur. C'est un malaise méga. Le mur. J'aime bien les mangas. Alors qu'en vidéo, il est méga dynamique, il fait des blagues, il fait des montages et tout, il est ouf. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser là.
Ouais, oublie pas, Vas-y, frérot. pose-la, là. On s'est arrêté Allez. à la bord du Méry. Je le redis Ouais, juste avant que tu poses une question de commence ouf. pas. Hein. Non, parce que moi, actuellement, je lis Kingdom et c'est une dinguerie. Est-ce que vous lisez d'autres mangas, là, à côté? Frérot, bienvenue, je suis un jour à bienvenue. Kingdom, mais j'ai tout Non, fait. spoilez pas, spoilez pas, spoilez pas. Ah bon? Ah ouais, si vous Ah? spoilez pas, Ah moi, bon? je commence bientôt. Ah Spoilez bon? pas, s'il vous plaît. Dites pas de nom d'arc. Kingdom, Hein. Kingdom, c'est... Ah, pas de nom Faut pas d'arc, parler de l'arc de non, coalition, tout ça. non. Kingdom, c'est sacrément lourd. Je viens de Ouais, finir quoi? Je viens de finir. la coalition, c'était le... Oh, c'est un truc de fou. C'est la folie Ouais. furieuse. Non, cet arc est fou. Ouais. Après, c'est pas un manga shonen, donc c'est différent. Ouais, c'est un C'est pas seinen, c'est ça, comparable. ouais. Ouais. On peut pas le comparer. Ouais. Mais après, c'est un seinen, mais j'ai l'impression qu'il reprend beaucoup les codes du shonen. Hein. Ouais, mais quand il éclate un adversaire, il lui pète le crâne en deux et qu'il Oui, dit oui, oui. victoire, tout ça, là tu sens Les que gars, les tu gars, peux les pas gars, dire les ça. gars. Là, je sens que ça Non, non, monte non, un c'est peu juste. progressivement, là. Non, 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 j'ai pas mais après, de c'est ta spoil. faute, frérot. On est en 2023, t'as pas commencé Kingdom, Ah, c'est frérot. vrai. À un Je moment commence bientôt, donné. je commence bientôt. Je commence... On m'harcèle pour que je commence en plus, donc. Mais c'est Non, une Kingdom, dinguerie. tu Et vas. je vous Kingdom, promets, tu tous vas ceux qui sont kiffer. dans le live, comment c'est Kingdom. Et en plus, si vous êtes fan de One Piece, vous allez kiffer 100%. Non, c'est une singerie. En plus, il y a des faits historiques et tout. Non. Non. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai Il une question à vous y a poser. des vraies stratégies militaires et tout. Des fois, quand tu... Parce que moi, j'ai lu en tome. Hein. Quand, je sais pas, ça fait 2 semaines que tu n'as pas lu ton tome, tu retournes dedans Ah, et c'est tu es obligé de dur. retourner en arrière. Parce que t'as une... En fait, si tu lis ensuite, c'est grave fluide. Et l'auteur, il arrive à être hyper fluide dans son récit et tout. Mais c'est des vraies stratégies militaires. Une C'est en question à mode vous poser. 3. Ouais. Parce que en gros, je parle avec le youtubeur Kingdomist là qui fait les vidéos sur Ouais. Kingdom. Très très bon frérot à moi. Ah, Et j'ai il a cru fait depuis une le début, t'allais me vidéo, chier dessus. j'ai pas voulu la regarder pour pas me spoiler, mais est-ce que ceux qui connaissent du coup les faits historiques, ils peuvent se faire spoiler le manga? Ouais. Oui, je pense. Je crois. Ouais. Parce Parce que que sinon, c'est faut être un vraiment. inculte. Plus t'es Mais inculte, plus tu kiffes. Après, il romantise un peu quand même, mais si un personnage meurt historiquement, tu te dis que dans l'histoire, il va c'est. y passer. Mais Ouais. après, pour Ok. connaître cette histoire-là, vraiment se Ouais, spécialiser et fallait le tout, quoi. chercher. Fallait C'est vraiment le pas un truc chercher. que tu Oui. apprends. C'est pas un truc que tu regardes, tu te fais chier chez toi. C'est pas. Bah, le premier empire chinois, c'est connu, non? Ah bon? Ah, Non. tu connaissais? Tu connaissais? Non, si tu fais pas la recherche toi-même, non, c'est Après, pas une connaissance qui va venir à toi, quoi. moi je suis Sciences Po, donc c'est peut-être pour Ah, ça, comment mais. il est en train de me Ah chier oui, bah dessus. oui. Ah, moi, Il c'est voulait le Sciences Po. caler. Non, Là, je... il voulait le Ouais, caler, il il voulait voulait le le caler. caler. Non, Il s'est dit, comment Allez, je peux le pro, caler? sciences politiques, mais t'es pas à Il Sciences Po. s'est dit, comment je vais le caler? Ah, je sais, je vais parler de ça. Je vais Je parler sais. de Kingdom. J'ai Je vais parler parlé de Kingdom, faut que je flex. de ça. Par contre, Hunter, les gars, je crois qu'il était vraiment dans le Vogue Mairie. Hein. Je sais pas si on a parlé de Sciences Po. Ouais, c'est bon. Hunter, ça va? T'es en vie, mon ref? Je vais lire un message. En fait, Ouais, ça il a une va. galère avec le son, il nous entend, mais il peut pas parler. Pourtant, je Oui, lui ai je donné les mêmes connais. rôles que tout le monde, donc c'est un peu bizarre. Je m'appelle Hunter 404. Ah, bonjour Hunter, ça Bonjour. va? J'aime beaucoup tes Oui, vidéos. j'aime bien One Piece parce que dedans il y a des personnages attachants et le bateau il a brûlé, je suis triste. C'est vrai? Mais Pourquoi tu rigoles? je trouve que t'as une voix de merde dans tes Oui. vidéos, c'est dû à quoi? Oh, ça c'est parce que j'ai un peu de toux, tu sais, le Covid-21, tout ça, c'est passé par là et c'est Ah mais difficile de s'exprimer. t'as une toux depuis longtemps quand même, non? Bah écoute, moi je pense que c'est peut-être la qualité du micro. D'ailleurs, je vais éteindre mon micro. Ça va Ah se payer. putain. Je suis sûr qu'il t'entend en plus. Hey, Ah, il t'entend, il les t'entend. Je vais frérots qui sont enchaîner, je vais sur enchaîner. le. Les frérots qui sont sur le live d'Hunter à chaque fête des subs, le pauvre. Laissez-le investir dans un micro, faites pas les crevards. Ce belleux, Ça, c'est c'est. quoi? Ouais. C'est quoi ces crevards là? Faites un petit micro, les Putain. Mais du coup, en live, il y a le son ou pas? Quand il live, les frérots. Oui, il est gars. en langage des signes. Il est là, toujours, Langage des toujours. signes, frérot. Ah Ça, mais c'est non, mais il a son stylé. micro. Ah ouais, c'est bon, il a son micro sur. Ok, d'accord. Y a pas un truc dans les préfaces là? Vous êtes des techniciens dans les préfaces pour enregistrer le micro, machin truc, non? Normalement, s'il va Non. dans Oui, paramètres mais je vais utilisateurs, demander d'aller dans les options, dans les ouais, paramètres, aller vérifier. voix Mais et. sinon, qu'il laisse le micro de son PC. Il met juste un casque. Je veux dire, si son micro marche pas. Je Quand je dis ça, je suis participe. pas Internet. Hein. Ah, le Mais... banquier M'Loxyd, il participe. Bah, frérot, il y a du détournement de sub, je pense, là. Du détournement de fou. Bah, du coup, on va commencer à parler d'Ignace Lobby sans lui. Cet arc, vous avez kiffé ou pas? Qui n'a pas kiffé cet arc? Incroyable, incroyable. Ouais. Tu le bannes, s'il te plaît, Crédibilé. celui qui a pas kiffé là. Non, moi, en plus, j'étais à un âge où j'étais un peu crédule, peut-être.
je pensais qu'ils n'allaient pas y arriver, les Mugiwara. Je te dis honnêtement, j'ai senti le poids de la marine, le poids de l'institution, ouais, ça faisait peur, le la poids marine, de l'ordre, la loi et l'ordre. Et là, je me suis dit, waouh, attends, deux, il se fait trahir par plus ou moins deux membres de son équipage. Après, il se trouve que Nico Robin, mais au début, tu te dis, ouais, il met la douille. T'as Pipo qui met la douille, t'as Vogue Mary, t'as presque trois membres de l'équipage qui vont se barrer. Non, là, son poste de capitaine, il a été mis à rude épreuve. Incroyable. C'était incroyable. Le passage de Zop Luffy, moi, il m'a pas touché, il m'avait horrifié à l'époque. Et ce qui m'horrifie le plus maintenant, depuis Enies Lobby, à Enies Lobby, c'est de me dire que depuis le début du manga, il était en flip H24, et là, il s'est tapé, il a donné un vrai combat à Luffy, ce bâtard. C'était incroyable. C'était tous les arcs d'avant, ils se cachaient. Il a voulu le faire. L'utilisation des techniques et tout, avec les jabs. C'était le prime d'Usopp. En vrai, cet arc, c'est le prime d'Usopp. Je l'ai pas vu comme ça. Et en plus, il se bat parce qu'il a un vrai point de vue, Usopp, en fait. Pour moi, il a pas complètement tort. Bien sûr. Et c'est Luffy qui manque de sentiments dans sa décision, donc il a une décision cartésienne, je suis d'accord, mais pour moi c'est Luffy le méchant en fait, et ça a été bizarre de voir Luffy dans cette position là, tu vois. Et même le côté réfléchie. Que l'équipage se conteste un peu et tout, enfin que pour une fois tout le monde soit pas d'accord à l'unanimité forcément, je trouve ça stylé, moi. Et même Zoro, c'est sérieux, Zoro a utilisé vraiment son rôle de bras droit, quoi. Ouais de ce c'est rare comme... mais moi ce qui m'a le plus choqué dans l'arc, ça va paraître bizarre, hein, mais c'est le flashback d'Ohara. Hein. Le flashback, il m'a matrixé. Ouais. Je vous promets, le professeur Clover, quand il s'est fait tuer et tout, moi, ça m'a matrixé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Bah, c'est là que One Piece prend une dimension géopolitique, en fait, vraiment. Ouais. Ah ouais, c'est à ce moment-là. C'est ça, géopolitique et historique. Historique, parce que le passé a des secrets à révéler. C'est là que le manga prend une dimension. Bah, c'est là que tu sens que les Mugiwara sont tout petits, et même que nous, lecteurs, on est tout petits dans l'histoire réellement qui se cache derrière, quoi. Et surtout que juste avant, t'étais quand même à Skypea. Donc, je te dis, le monde de One Piece, il est vaste de fou. Et à Skypea, t'apprends qu'il y a eu une bataille de fou qui s'est passée. Au moment où Robin, elle explique, t'as les mots de Roger gravés. Tu te dis, wesh, comment ça se fait qu'il y a Roger? Il y a des mots. Après, Tony, fais gaffe, à Skypea, Henrik, il a skip. Hein. donc là, tout ce que tu dis, il sait pas de quoi tu parles. Henrik, t'as vraiment skip ou tu trolls quand tu dis ça, chez quoi? Non, je troll de fou. Okay, non, c'est pas possible. Il a lu un spoil, mais il a pas skip. En résumé, sur le wiki. Non, j'ai pas skip Skypea, mais il y en a, ils font tellement les princes sur Twitter. Ouais, si t'as skip Skypea, ben moi je dis, ben moi j'ai skip. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est où ton argumentation? Quelle rhétorique tu vas me sortir? C'est quoi? T'as 8 ans, t'es sur ton truc. T'as fait 40. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le seul truc. Non, mais par contre, j'ai jamais relu. Et pour moi, le défaut de Skypea, c'est qu'il est coupé du monde. Et ce que j'aime dans One Piece, chaque arc, c'est que la dinguerie que va faire Luffy va être répertoriée au monde. Au début, c'est sur sa prime. Et après, ça va avoir des vraies conséquences. Et Skypea, il y a la feinte à la fin où il a affronté un putain de Logia. Et à la fin, bah, il n'y a personne entend parler de cette histoire. Et ensuite, tu arrives sur Water 7 et Enies Lobby. Et là, tu sais qu'il va y avoir un impact derrière. Et ça ne manque pas, quoi. Ils ont tous une prime. Garp, il vient, il parle. Je suis ton grand-père, dragon, machin truc. Non, c'est... Moi, ce que j'attendais au début, quand je disais One Piece. C'est Enies Lobby, ça, non? Je sais pas s'il a vu. Ah oui, mince. Si, je crois qu'il a vu sur un peu, j'ai vu. En fait, moi, ce que j'aimais dans One Piece, c'est que t'avais les révélations entre les arcs. Donc, limite, moi, j'ai beaucoup suivi One Piece pour l'entre-arc plutôt que l'arc. Ouais, ça, c'est la folie, ça. Oui. Il a vu, c'est bon. Ouais. T'inquiète, pizza kebab, c'était... je sais que tu surveilles, on va pas spoil, frérot. Pizza kebab, mets une soupape si tu veux. Il y a un seul frérot qui est dangereux ici, c'est Akagami. Ouais, c'est Akagami. Akagami peut te sortir une singerie d'un seul coup. On va bégayer. Non, mais ça va le faire, t'inquiète. N'aie pas peur pour les futurs réacts du frérot. Ça va bien se passer. Ah, moi, je vais vous poser une question, mais il faut parler en langage codé, donc soyez assez bon. Est-ce que le contre-pied du dernier chapitre. Non. Ah ouais, c'était chaud. Mais est-ce que le contre-pied du dernier chapitre vous a agacé ou vous dit que l'information, on devrait la savoir plus tard et c'est cohérent de la voir plus tard? Parce que moi, je me suis agacé. Toi, t'étais agacé? Pas agacé. Pas agacé, même moi. Agacé. Moi, je me suis dit, logique. Ça tombait un peu trop tôt.
Bah, logique, moi et même, ça donne des réponses. Moi, ça nous donne beaucoup, beaucoup de réponses, au contraire. Moi, ça m'a donné moi, j'ai kiffé aussi. Énormément de réponses. Ça m'a donné, Et même, ça promet des dingueries pour la suite, en vrai. Ouais, c'est ça. Parce que s'il développe pas ça maintenant, plus tard, il va le développer encore mieux. Ça maintient la hype. J'ai eu peur. T'as dit quoi, ça quoi le frérot, ça maintient la hype. Ouais, ouais, ça maintient la hype. Ça maintient la hype pour qu'il reste toujours. Et en plus, je voulais pas que ça soit fait de manière un petit peu rapide. Je veux vraiment que ça soit quelque chose qui dure 3-4 tomes, tu vois. Et là, mais ça, après... ça arrête. Mais après, je pense que ça aurait été une dinguerie s'il le faisait maintenant. Ouais, on mais. S'attendait pas, en fait. Ouais, ça aurait donné trop de trucs. Déjà que cet arc est très très complet. Ouais. Mais on en parlera tout à l'heure. En vrai, je suis d'accord. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On reviendra même sur la rêverie de Doga, du coup. Parce qu'on en avait parlé un petit peu à la fin de la rêverie de Doga. Mais moi, je suis passé rapidement, je crois, sur la rêverie de Doga. On dit, bah t'étais présent. T'étais présent à ce moment-là, ouais. Ah ouais, j'étais présent à ce moment-là. Non. T'étais bien là. Bien. Du coup, moi, tu sais que je pensais sincèrement que... Moi, j'ai pas ressenti le fait d'être coupé du monde. Surtout à la fin de l'arc. Ouais, à la fin de l'arc, quand il y a le poneglyphe et le message de Roger, direct dans ma tête, j'ai fait le lien entre la bataille que Robin parle, dont on ne sait rien du tout, dont personne ne sait rien. Cette bataille-là et le message de Roger, je me suis dit, Elle t'annonce quelle bataille, Robin ? Oh, ok, c'est quelque chose. Elle dit, Robin a dit qu'il y a une bataille qui s'est passée dans les. Une bataille qui s'est passée à. Je suis avec Norland et tout. Non, bien avant Norland. Ah, tu parles. Bien avant Norland, du coup. Et c'est là. Tu peux envoyer un message, l'invite à. Ok, vas-y. Sur Twitter. Ouais, s'il te plaît, à 404, sur Twitter. Merci, désolé. Vas-y. Ils sont en train de régler ça. Dès que j'entends Hunter 404, je pense à 404 Billy. C'est quoi? Le rappeur. C'est un rappeur, ouais. Je connais pas. Il est fou, ce mec, en plus. C'est qui? Ouais, maintenant, sur ses derniers sons, il est complètement fou. Ouais, il est fou. Moi, je l'avais écouté quand il chantait avec Damso. Mais là, ouais, il est parti en cacahuète. Hein. Mais il a un homologue américain, là, qui a fait un feat avec Travis. Je sais pas comment il s'appelle. Ah ouais? C'est les mêmes, frérot, c'est les mêmes. Roger. Ah oui, dans le chat, ça débat pour savoir si on dit Roger ou Roger. Ah ouais, je dis Roger pour connerie. Ça me fait grave penser à un mec du PMU, Roger. Ouais, t'es ouf. Roger. Je vois un alcoolique du PMU, tu massacres son RSA. Ça va, Roger? Ouais, ça va, et toi? Bien, Roger. On se fait le One Piece, Roger. Roger. J'imagine trop les compagnons de Roger. Maintenant, ceux qui, parce que on... J'ai rien dit. J'imagine juste les compagnons de Roger, c'est tout. Mais toi, je crois qu'il est pas là, donc ça va. Ça, il est pas là en vrai, mais bon, je préfère pas faire le fou. Ouais, t'as raison. Mais on attend le frérot. Hein. C'est frustrant parce que j'ai envie de dire de ses singeries. Ouf. Et du coup, Blue Chief, vous l'avez kiffé durant cet arc, non? Ouais, meilleur combat. Blue Chief, Luffy. Ah, meilleur combat. J'avais Kuzop aussi, là, quand il crie lève-toi, allez. Ouais. Oh. Ouais. C'est incroyable, même la transformation de Luffy, incroyable. Ouais, même les grosses patates qui se mettent, le sang qui gicle et tout, on n'a pas connu mieux. Et même les combats, hein. Par exemple, un Chopper, moi je suis. Enfin, il me faisait kiffer à Enies Lobby aujourd'hui. Ouais. Oui, c'était avant qu'il y ait une mascotte. Salut Hunter. R.I.P. Hunter. R.I.P. Hunter. Sinon, il peut pas enlever son micro. Après, et parler avec son problème, le seul problème d'Hunter, c'est qu'il parle trop. Hunter, on peut pas en placer une. Il fait que parler tout le temps. Je vous jure, on a tout essayé. Je sais pas, c'est quoi, ça va pas de nous parce que vous avez le même droit. Je sais pas ce qui se passe. Mais il peut pas sur son téléphone. Il entend tout le monde. Il me dit. Mais non, mais faut que je vais prendre le micro de la cam. Ouais, prends un autre micro, celui de la cam ou celui de ton PC. Celui de ton PC. Installe le micro du PC. En fait, des fois, OBS Hunter. Quitte OBS, peut-être. Je l'ai ouvert en parallèle. Il y a soit ça, ou soit, tu sais, dans les paramètres du Discord, sur voix et vidéo, faut que tu regardes sur quel t'as sorti le micro, en fait. Des fois, c'est peut-être ça, tu vois. Ah, s'il a un casque qui fait micro aussi. Voilà, ça dépend ce qu'il a mis comme paramètre. Écoutez-moi, les gars, Hunter, enlève. Si vous regardez la rediff sur YouTube, la vidéo que je vais pas cut tout ce passage. Vous allez attendre avec nous. On est rien à foutre. Que les choses soient claires. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Sunny the Live. Et lâchez des subs dans le chat. Lâchez des subs. Des petites subventions. Hunter!
Il est sur le continent. Hunter, petit, là, Hunter. Hunter, Hunter. Il est sur le continent. Il est sur Dark, Dark Continent. Il est, ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi, c'est une condition pour ton haine? Tu viens dans le live, mais tu parles pas. Hey, Hunter, mais Hunter. Essaye sans c'est micro. Essaye sans micro. Essaye sans le micro. C'est quoi cette malédiction? Il a dit, il a changé de micro, ça marche toujours pas, c'est bizarre. C'est ouais, chelou. Mais enlève. De... Ferme enfin, OBS si t'as OBS ouvert, frérot. Non, il a fermé. Ah. Putain, sinon, écris, hein. Écris dans le chat. Sinon, tu mets ta cam et t'écris sur une feuille et tu mets comme ça à chaque fois. Mais t'écris à l'envers, ouais. Parce que du coup. Il y a un mec dans le chat qui a dit Hunter, il dit les termes, il a pas besoin de parler pour les dire. C'est vrai. Il a raison là, sur tous les débats depuis tout à l'heure. Le micro est pro Amiro, c'est pour ça. Arrête, y'a un mec. Arrête. Ah, c'est t'es fou. Arrête, je suis y'a un mec. Mec, t'es pro Amiro. Arrête, y'a un mec. Pro mec. Moi, je suis pro One Piece, frérot. Oh, ça, d'arrêt d'avoir ça, c'est tous les pro Amiro. Ça, c'est tous les pro Amiro. Ça, c'est une réponse de pro Amiro. Je suis pro Oda. Je te mens pas, je comprends pas ceux qui sont pro, à part pro Garf, ça c'est normal. Mais être pro Amiro, pro Yonko, je comprends pas le délire, honnêtement. C'est une réponse de pro Amiro, ça. Mais non. Exactement. Le cup, ça, mec. Ça, c'est comme. Eh, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, les grands moustiques immenses là qui piquent. Je crois qu'on l'a entendu là, non? Hunter, ah. Entendu? Vas-y, parle Hunter. Hunter? Oh. Oui, c'est Hunter. Non, ok. Hunter. Eh, c'est comme les grands moustiques là. Vous savez, comment ils s'appellent ça avec les longues pattes immenses mais qui piquent pas du tout? Les cousins. Les cousins. Bah, les cousins, la vie d'Ouam, que c'est des dangereux. Ils sont trop dangereux. C'est des mythos. Celui qui a dit que ça pique pas et que c'est pas dangereux, ça peut être qu'un moustique. Pour se camoufler. C'est pareil que les pro Amiro. Les pro Amiro, c'est pareil. Non, moi, je suis pro Oda. Ouais, c'est des fans de pro Amiro, ça. Mec, c'est des fans de pro Amiro quand ils sont pas sur Twitter. C'est ça. Hunter. C'est chaud quand même, là, frérot. Attends, moi, je pourrais. Ouais, si c'est beau, si je fais genre, je clique. Si c'est beau, s'il a pas réussi à faire un truc, c'est pas moi qui vais réussir. Hein. Eh, j'ai même eu le rôle de modérateur, frère. Il n'arrive pas à parler, je comprends pas. Là, j'ai été au max, tu vois. C'est fou. Moi, je vais déco à 23h, les frérots. Et si, ouais, met pareil. Le micro de la cam. Ouais, moi aussi. Oh. Donc, Lucci, ouais, je crois que c'était le premier Zouane carnivore qu'on voyait dans One Piece. C'est pour ça que c'était un truc de fou. Rappelez-vous, avant Rob Lucci, les Zouane, c'était la misère. Hein. Tu disais, mais fallait autant choper un Paramecia ou un Logia, mais t'es un Zouane, t'es éclaté. S'il y en a alors un, qu'aujourd'hui, t'en vois de partout, frère, des Zouane. Alors qu'aujourd'hui, tu vois que c'est la meilleure des races, en fait. Ouais. Ah, ça blague. Il y a que qui ont un éveil vraiment puissant, etc. Oda, il les a bien mis au goût du jour. Et ça, c'est intéressant. Oula, je les Logia, ils ont pas. En fait, Hunter, il a raté le captcha 3 fois, frère. Oh, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, le captcha, je pense que c'est ça, en fait. C'est quoi le captcha? Le captcha, il était compliqué. Ah bah, je sais pas, c'est... Non, mais non, du coup, le captcha, c'est des lettres à retranscrire, en fait, c'est tout, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça, non, mais peut-être, ouais, je sais pas. Il y a écrit que ça, là, je suis dans les trucs, dans les logs, là, il y a écrit que ça. Hunter a attendu trop, a été expulsé, Hunter a attendu d'un, tu vois. En train de chier sur Hunter, le pauvre, il est en train de galérer. Et je vois qu'Akagami, il a réussi la vérification et ça a marché direct après pour lui, tu vois, donc. Aïe. T'es en train de dire, genre, si Akagami réussit, tout le monde doit réussir, c'est bizarre ta phrase. Il a le bac, Akagami, il a le bac. Non, mais je sais pas, c'est. Il a Sciences Po. Mais Akagami, il est à Sciences Po aussi. Mais je sais pas, faut qu'il retente. Akagami, tout à l'heure, il a parlé 4 phrases pour sortir Sciences Po. Il s'est dit, je vais le dire là 3 minutes, mais. Ouais. Je vais lâcher Sciences Po. Eh, vous aimez bien les études? Ah, j'ai fait Sciences Po. Moi, je rigole pas. Hein. Ah, personne c'est rigole. C'est bien, frérot. Ah ouais, personne n'a rigolé après. Personne n'a rigolé. Non, tranquille. Ça va me faire, vous allez voir sur Twitter. Je vais vous mettre dans la sauce. Twitter, t'es dans la sauce. Mets dans la sauce, Henrik, s'il te plaît. Par pitié, mets Henrik dans la sauce. Demain, midi, Henrik, il est dans la sauce. J'attends de voir. J'ai mangé que des paroles, que des paroles. Contre nous. Ça, c'est des paroles en l'air, ça. ça, je pense que tu ne seras pas capable de réellement le faire. Ouais, je pense que tu t'es. Ah ouais? Ouais, je pense pas. Ah, je pense qu'il y a que des mecs. T'as chauffé, moi, Kagami, j'ai toujours été fan de toi. Moi, je sais que tu fais Sciences Po top, tu vois. Moi, je pense que t'as fait Sciences Po 2, Sciences Po 3, frérot. Il y a que les mecs qui vont à Sciences Po, mais validés réellement, pas en mode escroc, qui sont capables de faire, tu vois. Ouais. Ceux qui parlent et qui font pas derrière, ouais. C'est Sciences Po, mais tu sais, genre, Sciences Po, c'est pas la folie, tu vois. Vrai, là, carrément, avant, j'étais en train de réviser, là, carrément. Ouais, moi, je sais, frérot. Le menteur, il écrivait sa vidéo sur Shanks. Ah, de fou, c'est ça, le menteur, frérot.
Il est en train de jouer à Max Morales sur Spider-Man, il est en train de s'amuser. Même là, frérot. Hot, tu sais que j'ai tout vendu pour les cours, pour que je me concentre à fond. Pour les cours ou pour la dèche? Bien, c'est vrai. Non. C'est pas quand on vend, frérot, c'est pas pour les cours. Hein. Ça va, Elon Musk, qui paye bien. Non, je rigole. Ça va, c'est cool. J'ai reçu 15 euros, je crois, là, tout à l'heure. Ouais, mais moi, je reçois des 15 dollars. C'est quoi? Pourtant, j'arrête et je parle de Mioc et tout. Je fais des 1000 likes. Moi, ça non, mais c'est des rats sur Twitter. Hein. Ouais. Mais attends, j'ai pas live de tout le mois. Problème, j'ai pas live de tout le mois de septembre. J'ai reçu 70 euros de Twitch. C'est une dinguerie. Ah, c'est les abonnés. Ils ont continué à s'abonner. Parce que c'est décalé. Ouais, même, putain, décalé, je crois, avant de recevoir. Tu reçois pour le mois d'avant ou un truc comme ça, je crois. Mais franchement, Sony, il se met plein. Hein. Comment ça? Sony vit, hein. Comment Sony vit. Frérot, moi, dans mes lives, il y a 20, 12 personnes. Des fois, max, pique. Des fois, je fais 5, 6. Frérot, je vis pas. Frérot, je sais pas de quoi tu parles. Mais comment ça se fait, t'as un micro qui fait de la lumière, alors? Parce que ça... Pourquoi ça, il est rouge? Ça, là, ça c'est un micro commandé Grand Bazar, tu vois. C'est les micros d'escrocs. C'est pour ça, des fois, je suis obligé de le coller à moi, de le câliner, tu vois. Alors, frérot... Moi, il y a un mec, je sais plus c'est qui, le grand, je sais plus, je crois que c'est Goldie Soul. Non, c'est ODN France. Il a dit, ouais, Sony, il est obligé de faire des tweets comme ça pour essayer de gratter 20 viewers dans ses lives. Donc, si ODN France l'a dit, c'est que c'est vrai, frérot. Donc, moi, je parle du principe France, que... Il dit que des faits, c'est ça? ODN France, c'est la factualité à son paroxysme. Je sais pas si c'est votre ami, mais il est sacrément dérangé, le garçon. Ah, c'est un trou du cul, faut dire les termes. Mais tu dis, c'est un anus sur Twitter, c'est tout. Il se cherche une personnalité. Non, il est en construction, il est en building. Il est en working progress. Je préfère dire ça comme ça. Le building, il s'est arrêté à l'anus. Il est en craft. Anus demain. Il est en train de se crafter. Je suis mort. C'est un anus avec des bras. Il sort de sa zone d'écran. Ah, moi, c'est les amis politiques qui vont le plus déranger. Ouais, bah c'est ça. C'est ça qu'on parle. Lui, c'est un pro-amiro. Ouais, de ouf. En vrai, de ouf. Lui, c'est un pro-amiro IRL. De fou. Mais c'est pas le seul pro à bureau à avoir des avis politiques comme ça, donc je sais pas, peut-être on peut faire un raccourci. Ouais, je crois qu'il y a un raccourci à faire, je te vois pas. C'est vrai, mec, il y a un raccourci à faire, t'as un truc à nous dire? Moi, en vrai, j'ai deux raccourcis, je te vois pas. Pour moi, j'ai un raccourci qui est pro à bureau. Souvent, c'est des... ils sont très border à droite. Et les pro Yonko, souvent, ils sont très jeunes, genre moins de 4-13 ans. C'est les deux raccourcis que j'ai dans ma tête, moi, honnêtement, sur les deux. Et tu préfères quoi? Tu préfères avoir 13 ans ou voter Le Pen? Avoir 13 ans et voter Le Pen, si possible. Tu veux faire les deux en même temps? Tu préfères les deux, toi? Ouais. Bon, bah, le frérot, je pense qu'on va laisser tomber, hein, le frérot Hunter. Ça, on va parler un peu quand même. Ouais. Désolé, Hunter, si tu nous entends. Mais mon ref, ciao. Il reste 10 minutes. On va finir sur ce qu'on disait tout à l'heure, vite fait, le sujet qui fâche. Et après, je vais vous libérer. Allez. On parlait de quel sujet hardcore déjà? Wano. Ah, la fin de Wano. Mais venez, Wano, on avance on avec. On passe à God Valley. God Valley, God Valley, ça me va. Valley, dernier chapitre, ça me va. Ouais. Du coup, pourquoi il y a des déceptions? Qui a eu des déceptions? Si, moi, il y a enfin, deux effets. Et c'était comme ça avant que j'en sois les spoils. Un mode, très content d'avoir God Valley parce que c'est ce qu'on veut, c'est le dessert. Et un mode, putain, c'est peut-être un peu trop tôt, j'aurais aimé encore patienter et avoir du teasing avant d'avoir vraiment God Valley, tu vois. Et donc, quand... On a eu la fin de... Quand j'ai compris avec les spoils, parce qu'on l'a appris assez vite en début de semaine, que très certainement, la vision allait se centrer sur Kuma. Un peu déçu, mais en même temps content. Enfin, j'ai envie de garder le dessert pour après, en fait. J'ai envie de garder la gourmandise pour plus tard. Parce que déjà, Ed Egg, on a tellement mangé que j'ai pas envie d'en rajouter encore, en fait. C'est pour moi... L'arc, excusez-moi. Désolé. Hein. L'arc, c'est bon, il est bien. Il est bien. Rote, là, c'est trop. La gourmandise, ouais, je suis d'accord. Mettre encore God Valley dedans, c'est de la gourmandise. Je suis d'accord. Ouais, moi j'ai bien kiffé parce que moi ça m'a surtout. Je me suis dit là, on nous montre toujours pas Xebec. C'est que ce mec-là, il a un rôle tellement important. J'espère que c'est le boss de fin. Même pas du tout. Genre, à aucun moment, il reste encore. Ce que j'ai vraiment kiffé de fou, c'est qu'il m'a fait penser à Luffy dans le chapitre. Parce que j'avais l'impression de voir Barbe Blanche en Zoro. Le fit il se barre direct, il est con quoi, qu'est-ce qu'il fait? Et Barbe Blanche qui dit crois pas que je suis ton sous-fifre, on attend la traduction de dimanche, mais vous pensez que Barbe Blanche est là juste pour cette mission là? Non, moi je pense que c'est un peu comme la Cross Guild, une alliance d'intérêt pour un truc peut-être. Ouais.
Mais Donc pour il est moi, là. c'était sûr que Barbe Blanche, c'était pas un second, genre sous les ordres. Pour moi, c'était impossible. Ouais, c'est un peu plus, Mais même, c'est un peu plus une grise. même la personnalité des personnages, on trouvait ça bizarre que Big Mom, Kaido, soit à l'époque, on trouvait ça chelou. On s'est dit, mais c'est qui ce monstre pour qui les a domptés? Mais je pense Mais que d'ailleurs, c'est juste ouais, le mais juste des autres, capitaine, hein. quoi. Les flots des autres, c'est Kaido, incroyable. Kaido et tout le monde, ils sont en mode chien fou, alors que Saiyan. Barbe Blanche, elle est en mode raisonné, en mode, on dirait, c'est lui qui tient tout le monde en disant, Ouais. Xebec, même toi, on a un objectif, fais attention, machin truc, faut être sûr qu'il soit là, etc. C'est J'ai l'impression qu'il l'adulte. avait un petit peu aussi un rôle D'ailleurs, de les stratège gars, et d'adulte. Captain John, je sais pas ce que vous avez pensé, mais je trouve qu'il a trop de flow. Ouais, Genre, je me mais suis là, dit, il a trop mais de flow. il a trop de Ouais, flow, frère. C'est incroyable, en ouais. fait. Bel rêve de fou. Mais en plus, lui qui dit mon trésor, c'est ce C'est ça. trésor-là. Avec Baggy, Baggy, qui cherche le trésor. Baggy qui suit ce trésor depuis longtemps. Parce qu'au Ah, de final, il va ouf. pas mettre une pilule à tout le monde. C'est fou, c'est grave Incroyable. stylé. Mais moi, j'ai du Et mal à c'est lire pour la ça trad. que. C'est. Ouais, la trad, elle est compliquée, surtout sur les propos de Ouais. Roger, de Ouais. Scopergaman. Parce qu'on Tout. dirait que Roger aussi, il a un équipage de mercenaires. Parce que Scapane, il lui dit, ouais, c'est pas parce que Ouais, t'es c'est. Ouais. capitaine que tu vas Ah, prendre non! l'ascendant. Moi, j'ai trouvé que c'était Et en fait. Moi, j'ai eu l'impression parce que finalement, on a appris qu'à Code Valley, il n'y avait pas que les Rocks et Roger, il y avait tous les grands pirates qui débarquaient. Et en fait, j'avais l'impression que c'était une chasse au trésor comme Stampede le film. Où chaque Ouais, pirate, c'est c'est en ça. mode, hé hey, frérot, t'es Ouais. mon capitaine, mais là, c'est une chasse au trésor. Mais Si je là, gagne, je ouais. gagne. Tu vois? Ça, Ouais. trop C'est cool. ça. Mais dans l'équipage de Roger, ça paraît bizarre. Alors que dans l'équipage de Rox, où je comprends, c'est leur personnalité. Mais dans l'équipage de Roger, en plus, qui dit, ouais, ce qui s'est passé il y a un an, vous allez le comprendre, ou selon les trades, Ouais, on ah, verra ça la me trad parce repense. que c'est compliqué, Ça veut dire, franchement. oh là là On là verra là dimanche là là. sans... Peut-être Ouais. que c'est Qu'est-ce intéressant du coup. que est-ce que c'est le match retour Roger contre Xebec? Roger qui a une apparence de jeune sans stache mou, alors que dans le normalement quand il trouve Shanks, il a une stache mou de chanteur de rail. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Est-ce que c'est une erreur d'Oda? C'est Est-ce qu'il y a un bond dans le temps? des écritures. Non, je pense que c'est juste des écritures. Tu voulais dire quoi, Kagami? Est-ce qu'on t'a acheté cut sans faire exprès? Ouais, moi je voulais dire que moi je suis pas trop d'accord. Moi je trouve que avec les chapitres comme ça avec comment elle s'appelle là, elle ressemble à la mère de Bonnie, tu vois Ivankov et tout. Ginny. Jenny, j'ai l'impression qu'il va commencer à développer les révolutionnaires. Et comme on connaît Oda, je suis d'accord avec vous, c'était peut-être trop tôt de voir les deux équipages des Rocks comme ça. Mais je trouve que le flashback de Kuma et peut-être sa mort à Egghead parce qu'il se dirige vers là-bas et peut-être qu'il va mourir devant du coup Joy Boy, Nika et tout, ça va peut-être amener à que les révolutionnaires passent enfin à l'action et c'est un bon début pour les mettre en avant pour que l'intrigue des révolutionnaires commence peut-être à la fin d'Egghead et dans un début d'arc Elbaf peut-être. Donc en vrai j'aime bien ça, c'est Oda, il met des petites cordes comme ça et après il les reprend plus tard. Mais moi par contre devant les planches j'ai pété mon crâne. J'ai l'impression qu'il réserve encore beaucoup de secrets. On voit H d'argent je crois, il est bien assombri, il y a deux personnages qu'on voit pas leur visage. Je pense pas que Oda il est pas fait exprès. Je pense vraiment que peut-être qu'il y aura des liens avec je sais pas avec le futur. Je sais pas. On a vu aussi les Chevaliers Divins ou peut-être c'était les anciens que Carmel gardait. Oui, Les celui avec le masque, par ouais les exemple. mêmes masques Ouais. etc. C'est C'était dinguerie, ça. exactement les mêmes et j'aime bien. C'est des personnages random qu'on a vus il y a trois arcs, et il les réutilise là, il va leur faire un background, il va expliquer pourquoi ils sont devenus chevaliers divins, et c'est Oda, quoi. Déjà, t'es trop Les mignon, t'as levé gars. la main. Ouais, non, mais Oui, c'est parce que je oui. sais pas si. Non, c'est pas pour. Moi, je veux pas créer d'embrouille ou je sais pas quoi. Mais c'est juste. Je sais pas c'est quoi le délire avec H d'argent, on s'en fout, non? Enfin, je sais pas pourquoi. Il y a plein de gens, ils arrêtent pas de dire ouais, H Ouais, tu vas d'argent, lui il est donner là, ton regardez, chèque il y a H d'argent, parce qu'on l'a vu avant, on a parlé de lui avant, c'est Ça, pour ça, ouais. c'est des bandeurs de détails. Non, mais attends. Imaginez-vous, hein, c'est pas Rox qui est venu foutre le bordel. On a volé quelque chose sur la ruche, ils Ouais. sont venus le récupérer, Ouais. ils ont un objectif de le prendre, mais Mais Xebec, il peut se c'est détacher de cet le flow. objectif-là. Ouais, mais Le c'est. dernier mot de Gold Roger à Xebec, c'est attends, c'est-à-dire qu'il a une info que Xebec n'a pas. C'est très Mais certainement du comme coup, ça qu'il a rallié Xebec, Garp à c'était sa qui avant? cause. C'était lui le vrai premier. Pas de titre Oui, officiel, il. mais est-ce que Ouais. c'était lui le vrai premier, du coup, roi des Ouais, attention, pirates? Ouh, attention les gars, attention, il y il y a a Hunter. 404, Ouh. 404, 404. Bonjour. Ouais, Ignace Lobby, Bonjour. c'est quoi Ignace Lobby Ouais, Ines Lobby, j'ai Waouh. toujours Vous dit pensez qu'on va que. revoir un blue chip plus tard?
Ah, il y a Agnès et il y a Lobby. Ouais. Est-ce que c'est un lobby Peut-être que c'est un lobby d'Agnès. Agnès. Et Aokiji, c'est chaud. Hein, c'est bien, mais... O'Hara. Ouais. Non, mais O'Hara. Dans le flashback, il gèle. Il peut donner l'eau du Nil en plus. Il se fait canner à ce moment-là. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bizarre. Ça marche toujours pas. Hunt. Allez, hop. Bon, tu peux reprendre. Ouais, donc on apprend. Ouais, on apprend des trucs de ouf sur les Rocks en fait. Et ouais, j'ai revu une case. Rocks c'était l'équipage le plus puissant à ce moment-là. Ah, mais est-ce que du coup, est-ce que c'était temps. Pas lui le finalement tous les temps, non, de, pas de tous les temps de cette époque. Hunter. Ouais, Agnès. À un moment donné. Et Agnès beaucoup, je trouve, en plus. Usopp, il tire sur le drapeau, il y a du feu. Est-ce que pour vous, Usopp, c'est Sniper King ou pas du coup? Non. Impossible. Tu penses que c'est un personnage qu'on va découvrir plus tard? Non. C'est sûr. Ouais, je pense qu'il est dans l'équipage de Shanks, ce Sniper King, moi. Ouais, il y a moyen. Moi, je pense que c'est Shanks. Après... Ah, putain, je suis mort. Ça serait terrible. Franchement, je pense que tu fais une théorie. Shanks, c'est Sniper King. Tu tapes les vues de ouf. Ah ouais, tu penses? Ah ouais. On les a jamais vus au même endroit, les deux en même temps. C'était ce truc de merde. Pourquoi? C'est bon, on l'entend. C'est bon, il est là. C'est bon. Attends, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Mais je sais pas. Genre vraiment, j'en ai aucune idée. Là, dis-toi que j'ai dû passer par mon portable pour que vous m'entendiez. Je comprends pas. C'est ton PC qui bug, mon ref, parce que c'est. T'as tous les droits, t'as tous les trucs, t'as tout fait. Mais oui, mais j'ai jamais eu ça, mais vraiment. C'est un truc de ouf. Non, vraiment, je te promets, c'est un truc de ouf. Bon, bienvenue à toi. Bienvenue en tout cas, 404. Je peux pas mettre la cam du coup parce que je suis sur portable. Il y a pas de galère. Mais putain, désolé, c'est foutu la merde là pas en live, mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Henrik, depuis tout à l'heure, il se foutait ta gueule. J'essaie de te défendre. Arrête, s'il te plaît. Ne t'inquiète, je l'ai entendu là. Mais en même temps, j'ai pas le droit de recevoir de quelqu'un qui a skip Skype IA. C'est vrai. C'est le jeu. Je regarde en live avec toi d'ailleurs. mais franchement, mec, je te l'ai dit, moi je veux vraiment débattre de ça avec toi. Je suis chaud. On se fait une vidéo ASAP. Du coup, on regarde Skype. T'en penses quoi? Parce que toi, surtout, t'es de Hunter x Hunter, débat, c'est ça? Le manga que tu saignes de fou. Ouais. Ça te fait quoi de passer d'un univers comme Hunter x Hunter à One Piece? Parce que ça n'a rien à voir. Ouais, franchement, ça n'a rien à voir. Non, en vrai, ça va parce que après, tu vois, genre. Je dis pas que tu retrouves tous les codes du lore ou quoi, parce que bah quand même dans Hunter t'as pas un lore aussi gros que celui de One Piece, hein, clairement. Ouais. Mais tu sais, t'as quand même un petit morceau de lore entre guillemets. Et tu vois, Hunter c'est un manga où t'as plein d'aspects différents. Tu vois. Genre t'as vraiment, c'est pas un manga où t'as que de la baston, ça réfléchit beaucoup. En même temps, t'as beaucoup de lore. Alors, en fait, je trouve que c'est un manga complet, tu vois. Et là où je me suis vraiment régalé, tu vois, dans One Piece. Et j'en ai déjà parlé en live, c'est que tu vois, à la base, moi, j'ai été élevé avec Dragon Ball, tu vois. Genre, vraiment, c'est ma veine, c'est mon sang, tu vois. On est beaucoup, là. Et en fait, si tu veux, quand j'ai commencé One Piece, j'ai eu cette sensation à la fois de retrouver des codes de Dragon Ball et des codes de Hunter, mais un peu mélangés, tu vois. Genre, j'ai reconnu un peu l'humour Dragon Ball, que je kiffais de fou, tu vois, avec cette espèce de hype, cette espèce de côté, tu vois, vraiment hypant et tout. Et en même temps, je trouve que tu sais, il y a plein de théories à faire, il y a plein de lore, il y a plein de trucs à explorer, un peu comme dans Hunter, tu vois. Ah, je suis d'accord. Ouais, non. Après, moi, ce que j'ai kiffé dans Hunter de fou, c'est que, par exemple, le Nen, il est tellement poussé, les caractéristiques, tout est poussé. Alors que là, pour l'instant, des combats, c'est ouf. C'est ça. Et dans One Piece, jusqu'à Agnès, c'est des échanges de coups de poing. Je retrouve pas ça. Je retrouve pas le côté vraiment très très poussé, très chadé sur cette partie-là. Hunter là-dessus, c'est vraiment. Tu veux que je te dise un truc qui va te faire rire? Il y a des gens, il y en a un paquet. Hein. Il y a des gens qui considèrent justement que ça, c'est un des défauts de Hunter. Je suis pas d'accord, bien sûr. Comment c'est possible? Mais parce qu'en fait, tu vois, par exemple, j'ai vu la vidéo de quelqu'un un jour. Je sais plus comment il s'appelle, tu vois, mais il fait des vidéos d'analyse sur les mangas. Et en fait, il parlait de Hunter en disant que, tu vois, il kiffait de fou et tout, mais qu'il allait essayer de trouver des défauts. C'est Raito, il s'appelle Raito. Il met des débardeurs. Il y a des analystes, je sais plus, c'est un truc comme ça, tu vois. Et en fait, il expliquait justement qu'il trouvait
que c'était trop long, pas le bordel, mais qu'il y avait trop de classifications, tu vois. Le N, le Hatsu, le machin et tout. Et qu'en fait, il disait que dans un combat, même s'il y avait de la réflexion, bah, ça complexifiait à outrance. Et, c'est pas... Moi, je suis d'accord avec lui. Hunter, c'est pas accessible. Enfin, ça va. On lit pas non plus du Madame Bovary et tout, mais. Pour les lecteurs manga, c'est peut-être une des lectures qui demande le plus d'investissement. Dans peut-être le shonen, il faut plus lire. Alors, peut-être c'est le manga où il faut plus lire tout. Ouais, il faut s'investir. Ah ben, Enric, tu sais, il y a des pages dans les scans, elles te fracassent le crâne. Hein. De fou. Il y a des pages vraiment, c'est. Franchement, quand tu essaies pour la première fois de comprendre le. Putain, Enric, aide-moi, comment ça s'appelle là, le. Voir trop bizarre là où on ne sait pas de qui ça vient et tout là. Silent Hill. Silent Majority. Silent Majority. Ah, frérot, quand t'es truc, c'est un bordel. C'est un truc de fou. De toute façon, moi j'ai ma version de Silent et je pense que c'est le garde du premier prince. Il y en a qui me disent que non, et les deux versions se valent pour l'instant. Pour te dire. Bah après, je trouve que tu vois, on n'a pas encore totalement assez de pistes, je trouve, tu sais, pour vraiment qu'on soit sûr. Mais ouais, il y a des chances, ouais. C'est dans le dernier arc, ça ? Mais bon. Ouais, c'est le dernier arc. Il est très compliqué. Je suis pas à jour du dernier arc. Parce que ça me saoule de fait, pas... Il est encore moins... C'est même pas, en fait, pour moi, c'est même pas du Hunter x Hunter. On est parti dans un autre registre encore et qui est très, 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 très compliqué. En fait, dis-toi, là où, par exemple, tu sais, tu peux lire, je sais n'importe quoi, 5 chapitres de One Piece par jour sans avoir mal au crâne, Hunter, si tu lis plus de 3 chapitres par jour des scans actuels, mais tu sors, tu prends un Doliprane, quoi, vraiment. Et du coup, dans One Piece, ça tu peux avoir. Ah oui, non, je suis vraiment désolé. Déjà, je voulais dire sur Hunter, en ce moment, vraiment, je trouve que c'est dommage, mais c'est le pire arc à lire avec le rythme actuel. Genre, je trouve que avec ce rythme-là, mais je me souviens jamais de ce qui s'est passé avant et tout. Ouais, alors qu'il pourrait être intéressant, mais d'une traite. Mais le lire comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau scan, parfois je relis d'anciens scans parce que je me trompe en fait. C'est pas que j'ai envie d'approfondir, c'est juste que j'avais oublié que j'avais lu ce truc. Mais pour moi, je crois que je vais y aller. Tu crois ? Okay. Mais si t'es pas sûr, reste, frérot. Ouais, je sais. Moi, je vais devoir y aller, je suis sûr. Il a dit, frérot, si t'es pas sûr, frérot, bah reste. On verra tout à l'heure. Ouais, non, je suis désolé, je dois monter des vidéos ou des trucs comme ça. Y a pas de et soucis, j'ai Sciences Po aussi. Allez, je crois. Bah, merci, Sage, en tout cas, c'était super cool de t'avoir. Merci à vous tous. Hein. Ouais. Et c'est un véritable plaisir d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et c'est la même, j'espère te revoir en live, ça peut être archi cool. Ah, mais même en live IRL ou live live? Moi, j'aimerais bien faire une IRL, essayer d'organiser ça avec ceux qui veulent. Donc, vous avez des merguez, ça peut passer. Il y a moi. Bon. Non, j'aimerais bien faire week-end, c'est prendre un Airbnb, faire un week-end, j'en ai parlé à Kagami, où chacun on amène notre matos et on se fait une espèce de truc en coop avec nos événements, nos trucs et tout, qu'on et tourne on, et qu'on fasse un live à 24 heures. Je ramènerai les merguez. Ouais, ça pourrait être cool. Et on ramènera les mecs. Franchement, un live, comme on disait, tu vois, on prend un truc où, comme tu dis, on amène tous nos PC et tout, et on fait genre un live 24 ou 48 heures, ça serait une dinguerie. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et à 1000 subs, on ligote Hunter et on lui spoil tout One Piece. Délire de ouf. Et à 2000 subs, okay, on sait tous de la chose. Je vais faire 600 bornes pour avoir ça, ok, ça marche. Je vais vous laisser, moi aussi, les gars. Merci beaucoup pour l'invite. Ah ouais, mec, c'était cool. Mais c'est la première fois qu'on live, en plus. C'était un plaisir. Ouais. C'était trop cool. Je vais vous laisser, mais en tout cas... Moi, je te laisse juste, mec. Ouais. Merci beaucoup. Une, pas deux. Allez, à la prochaine, frérot. On en reparlera quand il y aura Hunter. Allez, salut. Une, pas deux. Allez, frérot. Salut. Salut, mon ref. Allez. Hunter. Je reste un peu pour j'ai trop l'impression d'être là en mode tout le monde se barre quand j'arrive en mode c'est bizarre, je pue, tu sais. C'est bizarre. Non, en fait, les gens, on est là, à la base, je vais être honnête. T'as mis 45 minutes avant moi, j'ai pas de problème. Je rigole. Quand j'ai dit que tu venais, mec, en live, il a dit tout le monde, je suis pas sûr, Hunter et tout. Je sais pas s'il mérite ma présence et tout. Et là, il se barre à ce moment-là. Moi, je dis ça, c'est bizarre. Ah, putain. Bah, du coup, alors, One Piece, ça te donne quoi, du coup?
Ben mec, bah, t'as vu le dernier tweet que j'ai fait ou pas? Non. Enfin, l'acteur. Celui où j'ai répondu, Hunter? Ouais, celui-là, ouais. Ouais. C'est une dinguerie. Putain, ouais. Ah, non, c'est si. Une dinguerie, mais... Bah si, sur la mort ouais. du Vogt-Méry. Oui. Ouais, non, mais franchement, mais tu sais, ouais. Franchement, en live, tu vois, j'étais là, putain, j'ai tremblé, je vais pleurer pour un bateau, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas j'étais là, putain, c'est chier. C'était pas non, mais en vrai, c'est. Ouais, c'est ça, c'est des bonnes larmes. Ouais, bah, de ouf. Et est-ce que tu sens un avant et un après cet arc-là? Là, comme il vient de finir, est-ce que tu sens que tu rentres dans un manga un peu différent ou pas du tout encore? Alors, ouais, et en fait, dans l'idée, tu vois, j'ai fini Enies Lobby hier. Et j'ai commencé post-Enies Lobby, donc là, tu vois, j'ai vu, je crois, le 341 et 342, et tu sais, dans l'idée, c'est là où bah, tu comprends que Garp, c'est le grand-père de Luffy, et que ouais, Dragon, ouais. C'est son père. Et ouais. En fait, genre, quand il parle de ça, qu'il t'annonce les quatre empereurs et tout, genre, tu sais, tu sens que c'est genre en mode, on rentre dans la cour des grands, tu vois, genre, ouais. Je sens vraiment qu'effectivement, en fait, déjà, je me doutais qu'il allait avoir un gros changement, parce que bah, forcément, quand t'arrives avec ta clique, que tu menaces le gouvernement mondial à l'endroit qui représente le plus la justice, que tu fais tout casser et tout, tu te dis, bon, déjà, je pense que ça a changé pas mal de trucs sur Grand Line. Il y a une phrase qui t'a marqué, et... non? Brûle-moi ce torchon. Cette phrase est ouais, bah, incroyable. Ouais, non, mais c'est ça. Brûler le drapeau, c'est tellement symbolique. C'est ultra symbolique, quoi. C'est, non, franchement, enfin, cet arc-là, j'ai pété mon crâne. Même le flashback de Robin, enfin, genre, c'est, tout était grandiose dans cet arc. Vraiment. Et la marine... moi, j'ai une question à te poser. Ah, désolé. Vas-y, mon ref. Est-ce que... parce qu'on en parlait avant que tu arrives, est-ce que toi, tu as ressenti que le monde de One Piece, en vrai, il est énorme ou qu'il y a encore plein de choses à découvrir? Ça rejoint un peu la question de Sony, mais avec le fait, t'as vu pendant le flashback, il y a des personnes du gouvernement qui ont une autorité haute, alors qu'avant, t'as vu, on était un peu dans le déni, on savait pas tout ça. Est-ce que tu te dis qu'il y a encore plein de choses à découvrir, est-ce que t'es hypé par des trucs? Moi, j'ai envie de savoir ça. Ah, mais déjà, tu vois, genre, franchement, je dis pas que dès le début, tu sais, j'étais en mode, ouais, j'ai encore rien vu, etc. Enfin, je vais découvrir plein de choses. Mais je pense que, tu vois, déjà, One Piece, on va dire qu'en stream, j'ai vraiment commencé à accrocher et à me dire, waouh, c'est peut-être un truc qui me dépasse de ouf à partir du Baratier. Et plus précisément, tu vois, du flashback de Sanji. Il y a vraiment un truc qui s'est produit à ce moment-là, tu vois. Et en fait, je me souviens quand j'étais au stream à Lockdown, c'est là où vraiment j'ai pris un peu l'ampleur en me disant, OK, t'sais, tu sais, on est aux portes de Grand Line, tu rentres vraiment dans un truc qui va te dépasser de fou, tu vois. Et je me souviens qu'après, j'ai eu un petit passage à vide, entre guillemets, où je me suis dit, ouais, c'est un peu moins bien, de la fin de enfin, du moment où ils arrivent sur Grand Line, jusqu'à, on va dire, Little Garden, un peu vers la fin. Tu vois, genre, Baroque Works, Little Garden, je sais pas, c'était un peu mou, tu vois, j'ai trouvé à ce moment-là. Ouais, et après, Drum, plus à la Basta, ça m'a mis une grosse claque, tu vois. Genre, vraiment. Et c'est là, franchement, je crois que c'est vraiment à Alabasta, où, bah, ça rejoint un peu ce que tu m'as dit. C'est-à-dire, tu sais, je crois que j'ai vu un bout de rêverie, tu sais, genre en mode, je crois que j'avais vu Wapol avec Cobra, je sais plus, ça justement, la rêverie avec tu peux l'appeler les la rêverie aussi, si tu veux celle-ci. C'est ça. Après, genre. C'est la rêverie de Jaya. Je crois que c'est vraiment à Jaya aussi, où j'ai pris une claque parce que, bah, ouais, Jaya, moi, Jaya, ça m'a marqué. T'as deux chapitres. Ah, mais Jaya, ouais, t'as deux chapitres dans lesquels tu vois Shanks, tu vois Barbe Blanche, tu vois. Moi, Bellamy, ça reste un de mes persos préférés. Hein. L'intro de Bellamy, moi, j'ai un peu du mal avec Bellamy. Incroyable. Ah, moi aussi, je vois ce que tu veux dire, Henrik, sur Bellamy. Bah, c'est le premier pirate, Bellamy. C'est pas un pirate qui est un mafieux ou un dieu aztèque ou Rob Lucci, un membre des services secrets. Bellamy, c'était le premier pirate avec un design de pirate et une mentalité de pirate. Une vraie merde. Aussi. Mais c'est ça qui était bien, c'était bien du coup, tu vois. J'ai bien aimé. Hein. Et attends, le passage en fait, dans le bar où, où il se tape et Luffy dit Zoro, ne bouge pas. Tu vois et, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est là que je me suis dit ah ouais, ok. Genre. Et même, il fait pareil que Shanks. Je me rappelle bien, il réagit pas comme Shanks l'avait fait. C'était une rêve de fou. Ouais, et en plus, je me rappelle, j'avais réagi sous tes tweets et je pense, non, même je l'avais vu en live tout ça. Mais après, quand t'avais réagi aux mots de Cheech et que t'avais pété ton crâne, Hunter.
Moi, ouais. Ça me fait kiffer cette scène. Ouais. Franchement, même les fans de One Piece aujourd'hui, c'est l'une des scènes qu'on préfère encore, qu'on théorise encore. Ouais, c'est dingue. De Teach aussi, ouais. Ouais. Bah, surtout que tu vois, bah, déjà capté, pour répondre à Henrik. Ouais. Ouais. Non, vas-y. Ouais, je t'écoute, vas-y. Non, mais est-ce que tu as capté la phrase de Teach? Vas-y, bah, pour répondre, du coup. Ouais, bah, pour répondre à Henrik sur Bellamy, justement. Genre, en fait, quand tu dis c'est un vrai pirate et tout, tu veux dire, tu sais, la mentalité en mode faut pas avoir de rêve, je sais pas quoi, enfin, je sais plus ce qu'il disait là, en mode ouais, faut pas avoir de rêve, tu sais, la mentalité un peu bas de gamme, entre guillemets, tu vois, c'est ça que tu voulais dire en gros. Non, c'est aussi dans son design. Si tu regardes tous les boss de Luffy, ils ressemblent pas à des pirates. Baggy, c'est un clown. Le majordome, c'est un majordome. Arlong, c'est un poisson. Crocodile, c'est un mafieux. T'as pas eu de vrais pirates dans le stéréotype. Après, il y a eu comment il s'appelle le mec qui a quitté les armes là, au baratier. Kong, ouais, mais c'est Kong. Donc, comment il s'appelle? Non. Ouais, mais même lui au Barati, il a pas une dégaine de pirate, il a une dégaine de, enfin, il a un plein peu, de, en vrai, de gadgets. Un peu. Ouais, un petit. Ouais, Dunkirk, c'est ça. Dunkirk, mais c'est des. Ah, je le déteste. C'est des armes et les. Dunkirk, je le supporte pas. C'est le personnage. Ah, moi, je l'aime bien. Je trouve de toute l'œuvre. Avec Nicky, on en parlait de ça, tu vois. On en parlait avec Nicky de ça. Et tu sais, Dunkirk, c'est un peu le pirate en mode, tu sais, les pirates sont un peu fourbes. Ils ont des armes un peu planquées partout, tu vois. Genre. Ouais, mais lui, c'est trop. C'est Iron Man. C'est, c'est Iron Witch de merde. Non, il m'a saoulé. Ah, franchement, ouais. Tu sais quoi, dans le. Je sais pas. Non, je peux pas te spoiler ça, du coup. Mais en tout cas. Parce que t'as regardé le live action ou pas du tout? Pas du tout, du coup. Ben, en fait, je me suis arrêté. T'inquiète, Makagami, je vais répondre à ta question après pour Barbe d'Or. Mais en fait, je me suis arrêté à la fin de l'épisode 3 parce que tout le monde m'avait dit « Regarde pas, il y a un énorme spoil et tout, tu vois. » Et en fait, je savais pas ce que c'était, donc j'avais arrêté. Et si tu veux, quand j'étais à Longland, il y a Aokiji qui débarque et qui parle du grand-père de Luffy et tout, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est bizarre, tu sais, je commençais à recouper un petit peu. Et je me suis dit, bah, tu sais, soit c'est un genre un pirate un peu style le mentor, tu sais, de Sanji et tout. Tu sais, qu'il est un peu recueilli, alors qu'à la base, Aokiji, c'était censé être un marine et tout. Et qu'après, ils ont bifurqué chacun leur chemin. Soit je me suis dit, bah, c'était un marine un peu vieux qui l'a pris sous son aile. Je me suis dit, bah, ça peut être Garp ou Sengoku ou quoi, tu vois. Ou alors, c'est un mec que je connais pas. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que les gens m'ont dit que le live action, il était en train de spoil, qu'en fait, je me suis dit, en fait, la seule différence qu'il y a entre le manga et le live action, c'est que ça spoil. Et comme par hasard, la seule grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est l'omniprésence de Garp. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre, tu vois. Et quand j'ai vu ce truc de, ouais, faut que tu parles de ton grand-père, Luffy et tout, que je me dis qu'Aokiji, c'est un marine. Je me suis dit, ah, ça sent ce truc-là, tu vois. Genre, ça m'a un peu spoilé. Tu pensais pas que Roger, c'était le père de Luffy? Non, franchement, j'ai pensé ça, ouais, tout au début, quoi. Ah, en fait, c'est un peu le premier réflexe. On se dit, ouais, mais tu sais, limite, ça serait trop évident, tu vois. Genre, ouais, comme Minato et Naruto. Ouais, non, tu peux. Mais pour répondre à Kayani, du coup, pour Barbe Noire, ouais, c'est. En fait, genre, même encore aujourd'hui, quand j'y réfléchis, bah, je crois que c'est la première fois où il parlait de Haki, il me semble, en parlant de fluide ou je sais pas quoi. Donc, moi, tu vois, je sais pas encore vraiment ce que c'est. Et c'est vrai que ce passage, à la fin, où t'as. Je crois que c'est Luffy et Zoro qui partent en disant c'est eux, tu vois. Ouais. Mais en fait, je me retourne mon crâne et je suis. Bah, t'as deux possibilités là, à ce moment-là. Tu te dis, soit il parle de eux parce qu'il y a. De son équipage. Son équipage qui est présent, il y a le mec sur le cheval. Moi, j'ai compris comme ça. Avec la pomme qu'il offre à tout le monde. Ou soit tu te dis, en fait, il est pas seul dans son corps, dans sa tête, ce mec-là. Ouais. Tu vois. Bah, moi, je pense pour ça plutôt, tu vois. Parce que, en fait, si c'était vraiment que pour parler de l'équipage, tu sais, c'est bizarre qu'on te mette ça en scène, tu vois. En plus, il est seul. Ouais, en plus il est seul. En plus à ce moment-là, je crois qu'on voit son équipage après avec le mec Burgess, je sais pas quoi, ultra fort, le gars, le médecin avec le cheval et tout. On les voit qu'après. Et en fait, pour moi, tu vois, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais ça se trouve le gars, tu sais, il a, comment on appelle ça, les troubles d'identité. Enfin, tu sais, genre en mode ils sont plusieurs dans son corps, limite, tu vois. Et je me suis dit, mais ça se trouve c'est ça, tu vois. Genre, il dégage différentes auras, tu vois. Genre en mode je sais pas, il a plusieurs façons d'être, il a plusieurs personnes dans son corps. La planche où du coup il est assis par terre
elle est, la plage, elle est toute blanche de tête, et t'as juste lui dessiné, ouais. Et en face, t'as Luffy, ah Zoro ouais. et Nami. Ouais. Ah ouais, mec, c'était incroyable. Mais même si par exemple, il parlait par exemple de son équipage, Nami, elle dirait pas pourquoi vous dites ça. Je crois qu'elle demande à Luffy et Zoro et elle comprend pas, bah, comme nous lecteurs. Je pense que là, Oda, il l'a dessiné comme si c'était un lecteur qui comprend pas. Mais du coup, elle aurait dit, ah, mais vous parlez de son équipage, ou même, elle aurait pas relevé vu qu'il y avait son équipage. Là, elle relève parce qu'elle comprend pas pourquoi ils disent eux, pourquoi ils parlent au pluriel alors qu'il y a que Teach qui parle. Mais moi, franchement, cette scène, je peux la revoir. Même en manga, hein. En manga, le panel, il est incroyable. Tu fais de la React manga, pas anime, du coup, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. C'est... En fait, je préfère largement... T'avais regardé la scène en animé, je me rappelle, non ? Je crois que... Je sais plus... il me semble qu'on l'a vue, ouais, celle-là. Parce qu'on a beaucoup de retard, normalement. Mais je me rappelle qu'en gros, ton chat t'avait dit « Regarde la scène en animé. » Enfin, juste l'extrait. Ouais. Un truc comme ça. Mais tu sais qu'on en avait parlé, sur Twitter. On en avait parlé, tu vois. Et je sais pas si tu te souviens, on avait dit... Que, en fait, le fait que t'es le décor qui s'estompe, tu vois, petit ouais. à petit, ouais. que t'es plus que eux comme ça, face à face, ouais. avec cette espèce de duel un peu comme ça, ouais. genre, ouais. tu sais, ça amène une dimension très particulière en mode dinguerie, le temps, ouais. l'espace s'efface et il reste cette phrase qui résonne, tu vois, et vraiment, ça te donne une sensation très particulière. Bah, t'as un lien, et même en animé, t'as un ouais. vrai lien parce qu'au final, tous les pirates à l'intérieur, c'est des pirates sans rêve et c'est dans une ville où il y a que des pirates ouais. sans rêve, sans but. Précis, on t'apprend que tu dois grandir et que t'as plus le droit au rêve. Et tout le décor s'estompe pour laisser place seul aux personnages qui rêvent en fait et qui se battent pour leurs rêves et leurs convictions. Et ce côté de s'estomper, du coup, il est encore plus fort. Il est significatif, quoi, ouais. une vraie signification. Derrière. Clairement. Parce que moi, ouais, je me fais influencer beaucoup par Doflamingo, mais Bellamy, quand il dit ouais, on arrive dans une ère où il n'y a plus de place au rêve, c'est très cartésien. Et tu te dis bah oui, effectivement, le village et les enfants. Et qu'un personnage comme ça, Daron, parce que tu te rends compte qu'il est important, mais tu le sais pas encore vraiment, et qui balance cette punchline écrite comme ça, c'est aussi Oda qui s'adresse à nous, je trouve, dans la mise en scène. Quels que soient les gens, est-ce qu'ils vont te dire... Même la scène en animé... Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, tu peux y aller, hein. Mais je disais, toi Henrik, tu penses du coup que Bellamy, entre guillemets, enfin, je dis pas que c'est un plot, entre guillemets, dans Jaya, mais c'est un peu genre le personnage qui est là pour te remonter un peu les bretelles en mode, bon, t'égares pas trop dans tes rêves et tout, genre tu vois, faut que tu restes un pirate ancré sur terre, tu veux dire. Ouais, je pense que ça, c'est peut-être la formulation de l'adulte qui a vu ses propres limites et qui essaye de, ouais. au lieu de se dépasser, qui essaye de rabaisser la jeune génération en leur disant, crois pas en tes rêves, sois cartésien, de toute façon la vie c'est dur, etc. Et que ça n'affecte pas Luffy. Tu peux le caricaturer dans notre monde, tu vois. T'as l'impression d'être ouais, un jeune de 20 piges qui rentre dans un un bar PM. Un grand de la tête. Avec que des mecs déchirés de 50 ouais. balais, complètement ouais. alcoolisés, ouais. qui te disent mais le système il est pourri, tu pourras y arriver. Ouais, c'est rien ça. Dans la c'est vie. Tellement ouais. ça. Ouais. 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 Mais après, tu peux le comprendre parce que c'est. Et c'est là où Oda il est fort parce que c'est peut-être un pirate, bah lui, il l'a cherché cette île céleste et non, il l'a jamais trouvé donc. Il fait un peu l'aigri de service, mais tu vois, c'est là où Oda il est fort, parce qu'il nous montre des points de vue différents, de pirates qui ont échoué, et nous on est dans notre vision de Luffy, où lui, bah vas-y, il va au bout de ses rêves, donc il la trouve cette île céleste, mais c'est ça qui est fort avec Oda, je trouve aussi. Moi, tu vois, ce que j'aime bien, justement, c'est que t'as un peu ces deux visions donc de pirates, tu sais, qui s'opposent en mode comme Zenric, ouais. tu vois, le cartésien et celui qui rêve. Et en fait, bah, ça rappelle un peu la vie de manière générale, tu vois. Et en soi, bah, dans la vie, le mieux, c'est d'être équilibré. C'est-à-dire bah, d'être réaliste, à la fois, tu vois, ouais. de savoir quand s'arrêter ouais. et plutôt quand se remettre en question. Et en même temps, tu vois, bah, ça te fait comprendre que si tu n'as pas de rêve, bah, tu n'as pas d'ambition, d'objectif, et qu'en fait, tu n'avanceras tout simplement pas, quoi. Et donc, au final, la vraie source, entre guillemets, d'admiration qu'on doit avoir, bah, c'est peut-être un peu le mix des deux, tu vois. Genre en mode avoir des rêves de ouf, mais être en permanence en train de se remettre en question, bah, justement pour avancer, pas tout le temps mais ça, je rester. Que c'est un message de la vie qu'actuellement ouais. on peut le donner à tout le monde. Merci Curtis Zogan. Qu'on peut donner réellement à tout le monde, je trouve, c'est que c'est un message universel.
dans la vie, si quelqu'un te dit tu peux pas y arriver, si toi t'as pas décidé que c'était pas possible, ou que tu t'es pas mis ta limite, vas-y à fond. Et ça, franchement, dans la vie, tu serais surpris de ce que tu es capable de faire. Ou des gens qui sont arrivés à des endroits où peut-être qu'on leur a dit la même chose. Et c'est ce qu'on parlait au début du live, quand on disait que certains mangas comme des shonen qui nous ont fait grandir, bah ça nous véhicule des valeurs en fait. Et ça, c'est une des forces des mangas tels que One Piece et d'autres, mais One Piece a cette réelle force-là. Il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont très emblématiques. Quand Luffy met son chapeau de paille sur la tête de Nami, cette scène dans le bar avec Shanks, je trouve que ça se perd par la suite et que c'était très présent là dans la partie qui est en train de découvrir Hunter. Hunter, j'ai une question. T'arrives à esquiver les spoils? Franchement, bah ouais, hein, parce que j'ai Ouais, ça marche. masqué le max de trucs. Et en fait, Ouais. tu vois, moi j'ai du bol parce que vraiment, j'ai une mémoire à long terme qui est bonne et une mémoire à Ouais. court terme, mais de poisson rouge, tu vois. Ok, Et ouais. vraiment, Moi, je suis pareil. genre, des fois, tu sais, en fait, quand je suis sur Twitter, je débranche mon cerveau, tu vois, mais complètement. Et Ouais. limite, des fois, je scroll et tu sais, si ça se trouve, il y a un truc qui n'a pas été bloqué, qui va passer devant mon nez, et en fait, je vais même pas tilter, Ouais. tu vois. Genre, Tu ça va continues à se zapper. défiler, Ouais, genre. c'est ça. Ah ouais, Mais je suis vraiment, d'accord tu vois. avec toi. Moi, je Et trouve que pour les gens ça, qui je veulent, suis trop chaud. les gens qui veulent se faire spoil et qui crient. En fait, dès que tu, parce que moi, c'était comme ça sur Chainsaw Man où j'avais un peu de retard. En fait, dès que tu vois que c'est un peu le thème, tu scrolles plus vite et normalement ça passe, tu vois. Vraiment, les gens qui veulent faire spoil, j'ai l'impression que tu le cherches. Enfin, t'appuies ton regard normalement. Enfin, tu lis deux lignes, tu vas bon, c'est un peu un manga que t'as pas fini. Tu te scrolles. Et puis la commu, elle est assez cool. Je sais que pour Doga non plus, ils l'avaient pas. Ils étaient très protecteurs. Toi Mais aussi, t'as moi, une commu très t'imagines même protectrice qui te. pas. Ah ouais, vraiment, mais genre, franchement, je te jure que dans les lives, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir une garde rapprochée en mode 50 Ouais. mousquetaires, tu sais, qui a un spoil ou quoi, genre direct, qui fonce dessus, tu sais. Mais en Et même, vrai, j'ai ouais, c'est des ça. modos ultra réactifs Sur et tout, mais Twitch, vraiment, c'est trop bien. mais sur Twitch, je sais pas sur YouTube quand tu fais des Elle est cool, lives, la commu. mais sur Twitch, la commu One Piece, elle est incroyable. Ah ouais, Franchement, mais il vraiment, n'y a pas un streamer franchement. qui me dit, ah, c'est la merde. Mais tu veux que je te dise un truc, tu vois, pour avoir fait bah, forcément beaucoup de YouTube avant Twitch, tu vois. Alors, la comparaison va être très bizarre, hein, mais j'en ai déjà parlé en live et je disais, tu vois, que pour moi, la différence un peu commu YouTube et commu Twitch, alors, je vais expliquer pourquoi, vous arrêtez pas à ce que je vais dire, c'est que commu YouTube, c'est des chats, commu Twitch, c'est des chiens. Pourquoi je dis ça? Ah C'est ouais? parce qu'en fait, si tu Hein? veux, ouais, vraiment. Parce qu'en fait, tu vois, sur YouTube, Voyez les les chiens gens, tu vas dans faire le chat. tu vas Voyez les faire une chiens, vidéo vous allez de bien. ouf, tu vois. Tu vas faire une vidéo de ouf sur YouTube, tu vas travailler de fou ce que tu vas faire, dans les moindres détails et tout. Tu auras toujours des gens en mode, ah ouais, là, j'ai ri 2,5 fois de moins que la dernière fois, faudrait se remettre un peu à la page. Ah non, là, le truc que tu as dit à 11 minutes 33, c'était pas exactement 11,3, c'était 12. Et en fait, tu vois, c'est que des gens, tu sais, un peu en Pointilleux, mode, ils veulent très te montrer qu'ils pointilleux. savent mieux que toi. Ouais, Ouais, exactement, tu vois. Et je en suis fait, d'accord. Hunter, la commune Hunter sur YouTube, elle est géniale pour ça. Mais Ouais. je commence à bien la connaître, tu vois, la commune Hunter sur YouTube. Le seul truc qui est chiant, c'est que c'est une commune très élitiste, tu vois. Et en Ouais. fait, ce qui est bien, c'est que vous parlez de plein de choses, et que c'est une commune très intéressante, mais il y a toujours ce côté un peu élitiste qui, des fois, est casse-couille. Et en fait, Twitch, tu vois, quand je dis que c'est des chiens, c'est dans le bon sens, c'est qu'en fait, c'est un peu genre en mode, tu proposes un truc, let's go, tu vois. Genre, tu dis, bon, bah là, on a un peu changé de programme, on va faire ça. Oh, c'est pas grave, vas-y, tu vois. Ah, ça c'est Genre, vrai. tu sais, les gens sont toujours contents de te voir. Ils sont toujours Ouais, contents que mais tu proposes un truc. c'est Si un tu laisses autre pas, ils vont être attachement là en parce mode, que waouh. c'est tellement vrai ce que tu dis, frérot. T'as Après, un le chat, aspect. je vous laisse Ouais, mais décider si vous c'est êtes du des chiens ou direct. pas, mais Non, mais Twitch, c'est du direct. Je pense que tu crées une vraie connexion avec les gens. Alors que YouTube, c'est de l'asynchrone. Ce qui veut dire que tu envoies une vidéo et les mecs, ils vont parler à une image. Alors que sur Twitch, ils parlent à toi vraiment, tu vois. Ah mais c'est pour ça, tu vois, que je disais chien et chat, c'est qu'en fait, dans l'idée, quand je dis chat pour YouTube, c'est genre en mode, le chat, tu dis la meilleure pâtée du monde, tu lui donnes tout ce qu'il veut, tu Ouais, sais, il s'en je bat vois les très couilles, tu vois, c'est bien. vraiment en mode, genre lui, il est jamais content, quoi, tu vois. Et Twitch, c'est l'inverse, c'est genre en mode, tant que t'es là, que t'arrives, t'as de la bonne humeur, tu veux faire n'importe quoi, tu changes de programme à la dernière minute, c'est à l'arrache. Les gens, ils vont être contents de te voir. Juste, ils vont être contents, en fait, tu vois. Et bah, pareil qu'un chien, quand tu vas lui donner à manger, tu vas le promener, tu vas machin, il va toujours être content, Mais tu tu vois, sais, genre. frérot, que Et là, ben, c'est un peu. tu viens de définir 99,99999% de mes lives. Voilà, tu Jamais un programme respecté. Jamais un programme réellement préparé. live Et combien de fois, toi, par semaine, à Sani? gros, ils sont là.
Avant, je live 3-4 fois. Maintenant, je live 2 à 3 fois. 2 à 3 fois. Et toi, Hunter? C'est cool. Moi, du coup, là, tu vois, j'étais à 3 lives One Piece par semaine. Donc, je faisais mardi, jeudi et dimanche. Et en fait, depuis là, cette semaine, j'ai augmenté la cadence et j'ai voulu faire un peu autre chose, tu vois. Et je me suis mis en tête de lire One Punch Man et de regarder Vinland Saga. Et donc, je fais ça les lundis, mercredis. J'ai juste eu une énorme crève cette semaine, mais genre un truc de fou furieux. Et du coup, j'ai pas pu faire le live de mercredi. Ok. Et ça va, c'est pas trop prenant dans la vie comme ça de live autant de fois. Parce que la vidéo, moi, j'arrive à le faire en 5-10 minutes. C'est bouclé, mais alors, là, je t'avoue que c'est d'une heure. En fait, tu vois, je suis un peu comme Doga à ce niveau-là. C'est qu'on en avait beaucoup parlé. Et en fait, les lives un peu courts, donc tu sais, genre des lives de 2h, 3h, c'est mieux parce que déjà, ça hype plus les gens. Genre, il y a plus ce côté un peu friandise qu'il faut avoir à un instant précis. Et quand tu fais un live un peu court, les gens, ils se disent « Ah putain, il manquait un peu ça, tu vois, donc ils vont revenir le lendemain, tu vois. » Parce que t'entretiens un peu la hype comme ça, tu vois. Et toi, ça permet de te préserver un peu, de pas live trop longtemps, parce que bah, c'est prenant, mine de rien. Et en fait, j'ai plus de temps aussi depuis que je suis à temps complet. Parce qu'il faut savoir que je suis à plein temps sur Internet depuis, depuis 2-3 semaines, grand max un mois, on va dire. Tu te lances vraiment en mode, tu veux vraiment... ça va être ton réel gagne-pain, quoi. Gagne-pain, quoi. Bah, déjà, tu vois, là, j'avais commencé à faire des placements de produits sur la chaîne Hunter, du coup. Et tu vois, mine de rien, bah, ça rajoute du beurre dans les épinards, tu vois, forcément. Et même, bah, tu sais, j'avais vraiment besoin de temps, quoi. Parce que je t'avoue que pendant un an et demi, 2 ans, faire des semaines en permanence à plus de 60 heures, avec bah, plein d'autres choses à côté, tu vois, forcément, quand t'as une vie de famille, quand t'as une femme, quand t'as ta famille. En plus, ouais, c'est ça, tu vois, donc forcément, bah, ça prend beaucoup de temps, et bah, tu rognes tout sur le sommeil, sur les activités, et au bout d'un moment, tu pètes un plomb, quoi. Ouais. Bah, moi, je trouve que Twitch, c'est différent, parce que, tu vois, par exemple, Henrik, par rapport aux propos de la fatigue et tout, c'est prenant, mais quand tu te connectes sur Twitch, et bah, t'as peut-être pas ce côté que tu peux avoir sur YouTube, et bah, genre, le live, tu le prépares avec les frérots, en fait, du chat, genre, le micro, c'est bon, ah, ok, ça, c'est bon... Et ça va vraiment, ça va rigoler. Et là, la preuve en est, sur le chat, il y a énormément de pseudos que je connais. Et c'est des gens avec qui tu prends l'habitude de parler. Nathan, par exemple, on le sait, il est en prépa. L'année dernière, il a eu la mention. Tu commences à t'intéresser vraiment à la vie des gens. Et tu as un vrai lien très, très fort. Tu vois, M-Loxide, le banquier. Il y a toujours y a un lien qui se crée. Et il y a tellement de choses comme ça qui deviennent présents. Et même quand tu ne vois pas le personnage... Tu vois, et bah tu t'inquiètes. Quand tu dis, les frérots, vous avez des nouvelles d'un tel, on l'a pas vu depuis 2-3 lives, c'est bizarre. Et c'est plus ce côté, tu te connectes, et c'est vraiment. Par contre, là où tu vas plus galérer si jamais tu pars sur Twitch, c'est si tu veux faire un. Tu veux remettre les lives sur YouTube. Parce que si tu veux un truc carré, faut que tu cutes tellement de passages où ça se dit que de la merde, tu vois. Moi je pense pas recuter et mettre sur YouTube. Mais si jamais tu t'en fous comme moi, tu balances tout. Ouais, mais tu vois, Sony, genre, moi je pensais comme toi, c'est-à-dire que, tu vois, là, quand tu dis faut recruter et tout, genre, tu sais, quand j'ai commencé à faire mes lives sur One Piece, sur le manga, genre, au bout d'un mois, je me suis dit, putain, faudrait peut-être que je les repose sur YouTube, tu vois. Et après, je me suis dit, mais ça va intéresser personne. Vraiment, hein, je te promets. J'étais là en mode, mais non, mais je vais pas faire ça, vraiment, ça va intéresser personne, tu vois. Et je me suis dit, si je les recut pas, si je fais pas un truc dynamique et tout, genre vraiment, c'est irregardable, tu vois. Et je crois que c'est ma femme qui m'a dit, mais non, mais t'as rien à perdre, fais-le et tout, surtout ça va plaire à des gens. Et en fait, je me suis dit, bon, bah vas-y, je le fais, tu vois. Mais je te jure que ça a pris direct. Et tu sais, il y a une petite commu, tu vois. Genre en mode, sur les rediffs de live YouTube, à chaque fois, t'as 2000, 3000 vues par rediff, tu vois. C'est vraiment, il y a des gens qui sont trop chauds. Alors que tu sais, c'est brut. C'est vraiment ça. J'ai vu la fin, j'ai des trucs bruts. Tous mes cuts, quand c'est moi qui les fais, c'est pas Marco, c'est dégueulasse. Je cut le début, c'est juste, je mets au début, je mets direct le passage, une intro, une fin. Et sinon, c'est 1h30 de live où t'as vraiment tout. Et le frérot Marco Di Marco, il prend le temps de couper certains passages et tout, tu vois. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Si je regarde les stats de ma chaîne, en sachant que j'ai quoi? J'ai 3000 followers sur Twitter, sur YouTube. Mes vidéos, elles font ça, 3000 vues et quelques. Là, la dernière, elle a fait 6000 vues.
C'est grave bien, hein, c'est... franchement, ah, c'est pas mal. Et je fais rien du tout sur les vidéos à part juste les balancer, quoi. Ouais, mais tu vois, pour moi, je pense que c'est l'authenticité. Les gens aiment l'authenticité. Et en fait, dans un monde actuellement où t'as, bah, c'est pas pour tirer une balle sur TikTok, tu vois, mais dans un monde où maintenant, c'est vachement les formats courts, les trucs qui rush, tu sais, les trucs un peu superficiels, je suis un peu mon boomer, tu vois. Mais genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui recherchent un peu l'authenticité d'autrefois, tu vois. Et je pense que dans les lives un peu en mode YOLO, on parle de tout et de rien, ça, il n'y a pas de cuts. Je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans ce format, tu vois. Ouais. Non, c'est un plaisir en tout cas. Si jamais tu te lances, Henrik, je pense que tu vas kiffer. Après, il faut du temps. Mais le temps, c'est le soir quand t'es posé et que tu dis vas-y. En plus, Henrik, il a vraiment le. Enfin, le coup pour parler. Ouais, c'est ça. Le profil, ouais. Typiquement, Henrik, c'est le genre de gars. À chaque fois, tu sais qu'au début, quand je voyais tes vidéos, je me disais, mais comment tu fais pour faire une vidéo aussi propre? Tu sais, avec genre une prise, tu vois. Genre en mode, t'allumes ta caméra. Et en fait, on a hot lead, tu vois, t'aurais presque l'impression que la vidéo, c'est pas qu'elle est montée, mais genre en mode, comme si t'avais supprimé tous les moments d'hésitation, tous les trucs, tu vois. Et à chaque fois, tu vois, je cherche le mot, je sais plus comment on dit. Tu sais, c'est pas éloquent, c'est la facilité de parler sans dire de la merde, tu vois, tout simplement. Et ça, mais ouais, sur Twitch, c'est... Ouais, non, mais vraiment, c'est pour ça que sur Twitch, tu pourrais vraiment. Ouais, je pense que tu kifferais Twitch, hein, tu te mets très bien. J'avais fait pendant un moment, mais je me retâte à le faire. Mais après, moi, je pourrais faire un, je pense, par semaine. Je peux pas en faire. C'est beaucoup c'est de boulot, cool, je pourrais pas en faire plus. Mais à moi que j'en fasse un par semaine. Ouais. Parce que c'est un exercice intéressant. Comme disait Sony, c'est moi en tout cas, maintenant je vois plus comme ça, c'est que limite des lives ça me repose maintenant. C'est-à-dire que j'ai une chaîne Twitch, je crois, je sais plus j'ai combien de personnes sur Twitch. Parce que j'avais fait. Tu vois, je comprends ce qu'il veut dire tout à l'heure, Sony, tu disais ouais, enfin t'es limite t'es fatigué, t'arrives, tu fais un live et limite après le live ça t'a reboosté, tu vois. Mais moi maintenant ça me le fait de fou. C'est parce qu'en fait quand tu te poses sur le live, tu prépares rien. Moi, c'est vrai, je prépare vraiment rien. Et c'est un miracle. Tout le monde est choqué quand, genre, je clique sur OBS, sur le petit regard, et hop, t'as la React qui pop, celle qu'on voit, la vidéo. Ils sont tous choqués. Waouh, truc de fou. Mais... Ouais, j'ai 1100 followers sur Twitch. Bah, c'est sans faire de live, c'est pas mal. Hein. Ouais. Si, j'en ai fait. J'en faisais quelques-uns. Ah. Mais ouais, non. D'ailleurs, Akagami, t'avais fait un live il n'y a pas très longtemps, parce que je crois que tu m'avais raid en plus, il me semble. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, je t'avais envoyé, je crois, un DM sur Twitter en te disant... Oui, je l'ai vu. Tu voulais me rendre. Ouais, de ouf. Mais en vrai, moi, je sais pas pourquoi, mais je suis plus fan des vidéos YouTube. Et par exemple, moi, sur One Piece, je kiffe faire des théories. J'en fais pas beaucoup sur mon compte Twitter parce que je trouve que le format Twitter pour faire une théorie c'est pas vraiment le meilleur endroit, mais moi YouTube je kiffe faire des théories et d'ailleurs toutes mes vidéos YouTube c'est sur ça et live Twitch en vrai je kiffe. J'ai commencé une React Bleach d'ailleurs que j'ai jamais fini parce que l'animation elle est dégueulasse, hein, les premiers épisodes c'est vraiment dur. Sérieux? Non, moi non, j'ai l'ancienne série ou la nouvelle? L'ancienne. Après, Henrik, on est des vieux, nous. Donc, tu vois, nous, ouais, nous on a été travaillés à ça à l'époque. Kiff le style années 90. Les encore Naruto, ça allait. Mais celui de Bleach, c'était vraiment difficile. Mais des lives après, j'ai fait Cartes One Piece où je kiffais ouvrir des cartes et tout. Même je kiffe encore. J'avais vu ça, ouais, que t'avais fait des openings et tout. Ouais, carte One Piece, moi je kiffe. Hein. C'est une dinguerie. D'ailleurs, rien à voir, mais j'ai vu qu'apparemment, on allait pouvoir faire des lives sur Twitter. Je sais pas si c'est une grosse connerie ou quoi, mais. Ouais, il en a fait un avant de faire. C'est ça, il en a fait un. Ouais. Ah ouais, ouais? Tu pourras live sur Twitter. C'est qui? C'est tout le monde qui peut ou que. Peut-être Akagami qui live sur Twitter, du coup. Bah ouais. Ouais. Ou que les groupes. Mais après, je sais pas s'il faut être. C'est que les certifiés. Je sais pas, mais Twitter, ça me ferait flipper. Hein. Parce que Twitter, tu perds. Je pense que tu vois, par exemple, c'est ce que je dis tout le temps, et c'est ce que je faisais même à l'époque, parce que c'était ça. Je faisais des lives, il y avait trois personnes qui regardaient le live, on était trois. Mais en fait, quand même t'es trois, tu t'en fous en fait sur Twitch, parce que sur OBS, t'as pas le nombre de viewers qui s'affichent.
Donc, si jamais tu as un écran avec Discord et l'autre écran avec. Bah, tu peux pas voir le nombre que tu es, c'est pas possible. Ouais. Donc, du coup, en fait, tu calcules pas. Et juste, tu passes un moment à taper des barres de rire, à faire ce que tu fais. Et à la toute fin, tu reçois un mail de Twitch qui te dit les stats, tu vois. Tu as un récap de tes stats qui pop. Mais tu sais, ce que j'aime bien, c'est que les gens qui sont là, même quand il y a une ou deux personnes, et bah, elle est là, elle t'apporte vraiment une bienveillance tout le temps. Il n'y a jamais un mec qui vient juste pour t'insulter. Alors que je me dis, sur Twitter, si, je pense que tu perds cette bienveillance et ça peut être très nocif. Hein. Ça peut être très nocif de fou, quoi. Ouais, mais Youngcap, il a sa commu sur Twitter, donc pour lui, c'est, je pense, plus intéressant. Parce que les commis, elles peuvent avoir du mal à migrer. Et lui, je pense, c'est plus intéressant pour lui de faire des lives sur Twitter. Mais c'est tout le monde qui peut les faire ou c'est que les gros comptes sur Twitter? Bah, on sait pas encore, c'est... mais je pense que c'est que les certifiés pour l'instant. Après, je sais pas. Okay. Après, je pense qu'il va mettre quoi, 10 000 abonnés pour faire un live? Il va pas mettre plus, hein? Je sais pas. Mais tu sais que tout à l'heure, je crois que c'était Sony qui parlait de bienveillance dans les live Twitch et tout. Mais tu sais que justement, ça, en fait, j'ai l'impression de retrouver ça aussi dans le principe que je stream le manga et pas l'animé, tu vois. Et en fait, c'était une grosse discussion que j'avais avec Doga, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est Doga qui m'a motivé à me mettre à One Piece. Et en fait, tu vois, le truc que j'ai remarqué, c'est que direct, je me suis dit, ouais, moi, je préfère découvrir le manga, parce que de base, je préfère lire un manga que regarder un animé, tu vois. Ouais, et en fait, j'avais commencé par le manga, tu vois. Et en fait, même de manière générale, je préfère 100 fois react à du manga sur un live plutôt qu'à un animé, parce que j'ai l'impression que c'est... T'as un outil devant toi qui est plus complet, tu peux plus faire valoir ta personne, t'as plus de façon de t'exprimer, de réagir. Bah, des fois, c'est plus interactif, parce que tu lis. Ouais, exactement, tu vois, genre, tu peux rester 20 minutes sur une page. Ouais. Exactement. Mais genre, toi, t'adores ça. Ouais, c'est ça, mais moi, j'adore ça, tu vois, des fois, en théorie, ils ont débat de fou et tout. Et tu sais, en fait, c'est ton rythme, c'est toi qui fais ton rythme. Et en fait, tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec Doga, et en fait, je lui ai dit que déjà, je kiffais plus ça. Et en fait, à un moment, Doga, il m'a dit, mec, je pense que là, je crois qu'à ce moment-là, je venais de quitter Long Ring Long Land. Et il m'a dit, mec, je pense vraiment qu'il faudrait que tu te mettes à faire l'animé. Tu vois, genre, que tu passes du manga à l'animé. Et moi, j'étais pas trop chaud, tu vois. Je me disais, ah, je sais pas, ça me fait chier et tout. J'aime bien ce format-là et tout. Ça me saoule. Et il m'a dit, fais ça parce que tu vas faire exploser ton audience, tu vois. Et en fait, je me suis dit, il a raison, tu vois. En vrai, il a raison. Franchement, tu vois, je réacte l'animé au lieu du manga. Et je sais très bien que je fais pas du tout les mêmes chiffres, c'est sûr, tu vois. Mais le truc, c'est que, genre, je suis attaché à ce format, tu vois. Et en fait, là où ça rejoint la bienveillance, comme tu en parlais, c'est que j'ai l'impression, justement, que quand tu streams un manga et pas un animé, les gens, ils viennent plus te voir pour toi plutôt que pour ce que tu montres, en fait. Parce qu'au final, un mec que tu n'aimes pas, que tu n'aimes pas sa voix, tu n'aimes pas comment il est, tu n'aimes pas ce qu'il raconte, etc., c'est quand même chaud de venir sur ton live, tu vois, pour le voir réagir et regarder au ralenti, parce que bah, moi, je lis lentement, regarder au ralenti un manga, tu vois. Alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup de gens, quand ils viennent pour une react animée, bah, ils viennent pour l'animé, tu vois. On ne va pas se le cacher. Et je pense que dans l'idée, c'est pour ça que ça a épuré un peu les gens qui veulent me spoil, ou les gens qui veulent être malveillants envers moi, et c'est pour ça que globalement, j'ai trop du bol, quoi, tu vois. Ça dépend, je sais que Youngcap, il a fait aussi les animés sur Twitch, et qu'il n'a pas les nombres de personnes... Ouais, mais c'est normal. Escomptées. C'est normal. Parce que sur Twitch, c'est pas mal ce qu'il a fait déjà, je trouve. Hein. Parce que j'ai vu vite fait, des fois, quand tu lances, tu vois les gens connectés, et je trouve que quand tu lances Twitch dès le début, et que t'es à 30 viewers, mais ton tout premier live, 30 ou 50... C'est énorme hein, sur Twitch. Si tu débutes, c'est énorme. C'est juste qu'il faut, tu vois. Il faut continuer. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup plus sur Twitch ou sur YouTube. Mais c'est énorme. C'est énorme, tu vois. Ouais. Ouais, non. Mais je pense que Doga, il a déjà fait l'animé. Donc, si tu refais l'animé derrière lui, je pense qu'il y a une redite. Alors que toi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une nouvelle aventure, et toi qui lis les chapitres, je trouve que c'est une nouvelle aventure qui, un, te correspond, deux, qui va être différente de l'expérience de Doga, et trois, quand tu lis, il y a beaucoup plus d'interactions que quand tu regardes un animé, t'es comme ça. Oui. Et en plus, je trouve que dans un animé, tu te forces à réagir. T'es là, oh, ouais, t'as des viewers, donc tu fais, oh. Alors que quand tu lis, tu découvres à ta vitesse, et tu peux être, ah putain, c'est un truc de ouf, t'es pas obligé de, oh non. Oh et je sais pas, je trouve comment c'est à ton rythme en fait. Comment tu fais pour faire ça? C'est à ton rythme. Là, je peux pas. Comment les trucs, ça se voit parce que
l'acting, c'est un métier quand même. Tu vois, si ouais, mais tu vois, mais les gens, ouais. Mais t'en vois plein, mais ils sont comme as, ouais. En fait, ils font que des miniatures, ils font. Et en fait, ouais, tu sens. Et c'est dur, hein. Oh merde. Ouais. Bah, en tout cas. C'est ce que je pense. Bah, merci les refs pour ce soir, c'était vraiment lourd. Je suis content, même si on a galéré de fou à ce que tu viennes, Hunter. Ouais, là, j'étais coincé dans le mairie en train de brûler. Là. En tout cas. Mais désolé, ouais, c'est un peu foutu la merde. Mais... Non, bah, c'est mes lives. Ça ressemble juste à mes lives habituels. Hein. Y a pas de galère là-dessus. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite de kiffer de fou. Ce qui t'attend dans One Piece, on va pas te spoil, mais tu vas kiffer. Ça va être incroyable. Ouais. Sincèrement, tu vas kiffer. Après, il y aura un trou, mais avant ça, tu vas vraiment kiffer. Non, il y aura pas de trou parce que toi, tu vas pas lire par semaine. Toi, tu as de la chance de découvrir les arcs en direct. Et ouais. C'est vrai que la lecture hebdomadaire dans certains passages de One Piece, pour certains, ça peut être. Elle était dure. Mais toi, tu vas enchaîner. Il va boire, lui. Donc ça va, en fait, tu vois. Ouais, et puis avant ça, tu auras le point culminant de One Piece. Hein. Oui, bientôt. Kiffe bien. Là, dis-toi vas manger du caviar. Donc si t'aimes pas le caviar, t'es dans la merde, parce que tu vas en manger. Ah non, franchement, je te promets, je me régale de fou. Bah, je pense que ça se voit après, tu vois, sur les lives, mais vraiment... Non, tu vas... Je pense sincèrement que tu vas péter ton crâne. Si t'as crush dans l'univers de One Piece pour ce qui t'attend, tu vas juste simplement péter ton crâne. Ouais. Et je passerai ma tête dans tes lives pour voir ça. Ouais, moi aussi, il faut que je passe. J'ai pas eu le temps de le faire pour Skype, mais... De toute façon, ça faisait un moment que je voulais faire un petit live où j'invite un maximum de personnes, tu vois. Parce que, en fait, je voulais justement attendre la fin. Un peu de ce que j'ai pu voir ou quoi, avoir des avis différents. Mmh. Et écoutez, si vous êtes chaud, je vous invite et on se fait ça vite. Parce que, en vrai, j'étais même chaud, tu vois, peut-être faire ça la semaine prochaine, tu vois. Donc, si jamais il y a un moment où vous êtes chaud. Tiens-nous au jeu. Hein, bah, dès que tu veux. Hein. De toute façon, on a un groupe là, donc dès que t'es open, tu envoies et dès que je suis dispo, je passe 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure selon mes dispos, mais avec plaisir. Ouais. De fou. Okay. Akagami, merci beaucoup aussi d'être venu, mon ref. Ça fait plaisir, frérot. Merci pour l'invitation et n'hésite pas, hein, si un soir tu veux que je repasse ou quoi, ça fait plaisir. Avec plaisir, mon ref. Du coup, bon courage pour Sciences Po. Ouais, Sciences Po, bien sûr. Sciences Po, c'est de la science et surtout de la politique. C'est aussi de la peau. Ouais, ouais. C'est quand même les deux. Donc, je prépare une vidéo avec Mademoiselle Soso qui va parler de géopolitique et dans One Piece. Carrément. Je prépare une vidéo sur Sciences Po, je serais malade. Non. Là, Chassé qui prépare une vidéo sur Shanks, Pocav, l'écriture. Les refs, si vous voulez sortir une vidéo sur Shanks, taclez-le maintenant. Mais attends, c'est ma théorie. Hein. Ma théorie sur Shanks, on la dit pas parce qu'il y a 404, mais. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une capture d'écran. Théorie frauduleuse. T'as montré. J'ai rien vu de Shanks pour l'instant. C'est vraiment je vais rien. Je vais faire une capture d'écran, frérot. Je vais te tacler au sol. Tacle à la carotide. En tout cas, merci au frérot aussi, Henrik, qui était présent. Merci. En plus, t'es resté plus longtemps que prévu. Donc, merci. Ouais, de ouf. Il y a 404. On avait fait des lives à l'époque sur Hunter avec 404. D'accord. Mais oui. Donc ça me fait plaisir. On se connaît depuis un petit moment déjà. Ouais, on se connaît depuis longtemps. On était sur Hunter ensemble. Je comprends. Bah, merci là, en tout cas. Et là, je le retrouve sur une autre œuvre. Je suis très content. Bah, tu vas suivre et tu vas kiffer cette aventure de fou. Merci beaucoup les refs. Ouais. De toute façon, on refera ça. Et merci à Sebos aussi. Hein. Merci à Sebos d'avoir modé et d'avoir mis un coup de pression. Ouais, merci Sebos. Il est arrivé comme Robocop. Non, tranquille, mais non, faut pas le prendre méchamment. Je vous préviens les mecs, il y en a un qui parle mal, je le vire. Comment ça? Il y en a un qui me cherche. La vie de ma mère, je le retrouve. Je retrouve son adresse, je monte en l'air. Non, lâchez mon code. Non, je connais la commu. Franchement, 99%, ils sont grave bien, ils sont cool. Mais je sais, des fois, il y a des petits virus et il faut faire attention, donc c'est pour ça. Ah, merci en tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde d'avoir été présent, merci le chat d'être tout le temps là, prenez soin de vous les refs. Merci à toi, San. Merci à toi pour l'invite. Merci. Oh, d'ailleurs, Tony, je peux demander un truc ou pas? Ouais, bien sûr. Arrête de gratter des trucs, quoi, frérot, va faire Sciences Po. Non, non. Juste attends la fin, pour les invités. On va dire non, arrête, frérot. Il va te demander des cartes, je connais. Mais t'as pas 20 balles. S'il y a un monteur One Piece,
Marco Di Marco. Vraiment chaud. Ah, Marco Di Marco, mon chacal. Marco Di Marco, c'est moi, je, ah ouais, c'est le meilleur monteur de Ah, mon gars. C'est le meilleur. Vraiment ? Ah, mon gars. Ah, t'es mon choqué gars. De ce qu'il fait. En peu d'heures qu'il fait. Vas-y, bah, tu sais quoi ? Envoyez-moi des DM sur Twitter. Il y a un live où, j'avais pris le principe, c'était quoi ? C'était le tribunal des Gaulmont. Donc en fait, j'avais préparé plein de captures d'écran de personnes sur Twitter et je les ai jugées. Ouais. Et il fallait élire celui qui rentrait dans un cirque. Et j'ai eu l'idée à 14h, à 18h, il m'a envoyé une vidéo avec un cirque et tout, tout nickel de fond. C'était trop bien fait, trop bien fait. Et on a pu juger les Gaulmont de Twitter, c'était génial. Mais il est vraiment fort. S'il y a des mecs chauds au montage, envoie-moi un message. Je t'enverrai son lien, je t'enverrai son Twitter. Vas-y. Vas-y, bah, ah ben moi, je vais lui demander une intro, là. J'ai échangé avec lui. Il fait un excellent boulot. Il me faut une petite intro. Donc très content. Bon. Bah, c'est vraiment ouais, quelqu'un, c'est je veux dire. C'est vraiment quelqu'un. Ça, c'est sûr. Okay. Bah, merci les refs. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Allez, merci à toi, Sunny. Merci à toi. Et pour l'invite. Bisous. Ciao.